Je dois partir maintenant. Tout ce qui a un début a bien une fin. Je dois partir. Je dois partir. Ouais, c'est l'heure. Oh, allez. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu sais, on dit toujours que les dames parlent en langage qui sonne comme du charme. Quand elles veulent se plaindre de quelque chose. C'est bien ça, non? Hein, Sonia? Ne me fais pas ce caprice, allez, tu sais bien ce que je veux dire. Hein? Je dois partir maintenant. Derek. Quoi? Reviens te coucher. Hein? Arrête d'être aussi têtu. Reviens te coucher. Dis par celle qui connaît un rabat-joie, je suis restée ici, ma puce. J'ai été ici du coucher de soleil au lever du soleil, directement du travail. J'ai eu faim parce que, je sais pas, elle sait pas faire la cuisine. Elle ne peut pas cuisiner. Hein? Elle ne veut pas que je mange. Regarde-toi-même comment tu te comportes. Allez, reviens te coucher. Non, non, non. Je ne prends pas des ordres. Je suis une lionne, et un lion prend les ordres de la lionne. De sa lionne, mets l'accent sur ça. Et pas de n'importe quelle lionne. Derek, qu'est-ce que tu viens de dire? Je dois partir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Essaies-tu de me dire que je ne suis pas ta lionne? Derek, en d'autres termes, tu veux dire que je ne suis pas ta femme. Derek, reviens ici. Derek! Derek, si je t'attrape, reviens ici. C'est encore quoi cette bêtise? Pour être sa lionne, il faut... Sonia, tu auras tout vu. Hey! Wow, 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 wow. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu veux? Tu es un idiot. Tu es un homme cinglé. Toi, tu es un homme cinglé, misérable. C'est ton voyage pour Aquaibom ici? Hein? Oh, voici le voyage d'affaires pour lequel tu t'es déplacé, n'est-ce pas? Hé, hey, ah, je vais briser ta tête. Tu ne le feras pas. Je vais te fracasser la tête. Si tu voulais me casser ma tête, tu l'aurais fait depuis. Pas besoin de faire de bruit. Baisse ta voix, c'est une zone résidentielle, d'accord? Alors fais pas de bruit ici. Il y a des gardes de la sécurité qui font des allers-retours avec des fouets. Ils vont... Et écoute, ils vont retirer tes vêtements avant de te fouetter. Et je ne veux pas que ça arrive, t'es bien. Calme-toi et dis-moi ce que tu fais ici. Tu es un cafard. Je suis un cafard? Oui. Waouh. Tu es un cafard. Tu es un cafard le plus inutile et le plus futile que je n'avais encore jamais rencontré dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Et qui est cette fille? Oh, c'est qui ça? C'est personne. Prête pas attention à elle. Regarde-toi. Tu me traites de poufias? Il va t'utiliser et te plaquer. Regarde-toi. Toi, et sale traînée. Ne compare pas la façon dont tu as été trompée et celle dont j'ai été trompée. Et si par hasard, tu as été trompée de la pire des manières. Mm-hmm. Moi, Sonia, j'ai définitivement et cependant à moi, été engloutie dans son amour. T'as pigé? Maintenant, tu sais. Oh, waouh. Certaines femmes sont plus cool. En plus, en quoi est-ce que ça te concerne s'il me trompe ou pas? S'il te plaît, demande-lui. C'est quoi ton problème? Hein, stupide femme? Hein? Moi, tu ferais mieux de partir d'ici. Ah! La sécurité pour toi. Ça veut dire que c'est ta mère qui est futile. Viens. C'est ta mère. C'est ta mère qui est stupide. Ma mère est morte. Arrête d'insulter les morts. Ta maman. Même dans sa tombe. Tu vas... On t'a pas bien élevé? Derek! Qu'est-ce qu'il y a? Derek! Dépose ça. C'est quoi ton problème? Calme-toi. Tu sais quoi, chérie, je vais m'en occuper. Et toi, regarde, écoute-moi. Écoute, t'es en train de te foutre la honte. Tu vois, cette situation, elle est en train d'aller trop loin et je comprends très bien que... Là, dégage, t'attends, je vais appeler la sécurité. Je m'en occupe. Ça me met trop long. Je m'en occupe, calme-toi. Ok, dépêche-toi. Mets l'ordre d'ici, qu'elle s'en aille. Écoute, si tu continues de rester là, cette femme là-bas n'est pas intelligente. C'est bon, je vais gérer. On va s'arranger. Bébé, ça met trop long. C'est presque fini, mon cœur. Je vais m'en occuper.
Je t'ai dit que je vais m'en occuper, t'as pas à t'inquiéter. Allez, vas-y, t'en fais pas. Je vais t'appeler. Ah, dégage de ma vue, allez, dégage. Va-t'en. Didi, pourquoi est-ce que tu aimes te rabaisser avec ce style de personne? Regarde comment elle est sans style et sans aucune classe. C'est comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui a perdu son chemin. Je ne faisais qu'essayer de l'aider. Et tu sais comment on dit, je ressemble à beaucoup de gens. Alors elle a cru que j'étais quelqu'un qu'elle connaissait, c'est pourquoi elle s'est mise à jacasser. Mais quand je me suis rapproché, je lui ai dit que je ne suis pas l'homme à qui tu penses. Tu sais comment ces choses arrivent, hein? Mmh. Erreur d'identité. Hein? Pourquoi ne retournons-nous pas au lit pour continuer ce qu'on a commencé? Terminer quoi? Tu veux que je laisse mon travail et aller chez toi pour qu'on termine ce qu'on a commencé? Ce costume que tu touches est coûteux. Dis-moi que je vais te manquer. Ok, tu me manques. Je vais d'abord aller au travail, puis je reviens te montrer à quel point tu me manques. Ok. Pas de soucis, je vais t'attendre. Et tout ça va t'attendre. D'accord, je vais me dépêcher. Allô, papy? Maman a hâte de te voir. Dégage! Allô? Allô? Merde! Qu'est-ce qui va pas avec toutes ces filles? Elle ose m'appeler sans me notifier. C'est pas comme si elles avaient quelque chose à offrir, non, du sexe. Elles ont rien à offrir, juste du sexe. Elles me sucent partout comme si j'avais du miel sur mon corps. Je te dis. Tu me fais rire parfois, Derek. Vraiment? Donc j'ai des cornes maintenant, n'est-ce pas? Mais attends, mais plus sérieusement, quand tu t'approches de ces filles, à quoi est-ce que tu t'attends au juste? Plus sérieusement, je n'approche pas ces filles, point de correction. D'accord, je n'approche pas ces femmes, elles viennent vers moi parce que je suis la source. Tu sais comment je fais? Un homme orgueilleux. Mais franchement, je me demande comment je suis encore ton ami. Parce que je ne me comporte pas comme ça. Tu sais, je peux demander qu'on te mette hors de ce bureau. Je t'ai dit la vérité, parce qu'en temps normal, je suis ton patron. Tu devrais pas venir ici papoter avec moi. Tu sais, c'est parce qu'on est des amis depuis l'école secondaire et puis je nous laisse nous papoter ici et tu viens me manquer de respect. Je vais te virer un de ces jours, moi. Et je t'assure. Mais... Et puis attends, t'as dit que tu peux pas être comme moi. Allez, mec. Greg, dis-moi que tu veux pas être comme moi. Tu sais que je suis la source. Hein? C'est quoi ton genre? Tu sais, j'ai le pognon. Hein? J'ai du fric. Attends, tu me connais? Tu sais quoi? Tu es un vrai idiot. Et là, je n'en peux plus. Oh mon Dieu. Ah, oh, je n'en peux plus, mec. Tu vas me tuer un de ces jours. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Gray. Alice, comment tu vas? Je vais bien, merci. Monsieur Chola. Stop, no. Nous avons une conversation, d'accord? Arrête de te pavaner ici en me regardant dans les yeux et en souriant comme si toi et moi, il y avait quelque chose. On a eu une conversation. Toi et moi, c'est terminé. D'accord? Monsieur, Non, t'as pas besoin de faire ça. Laisse-moi mettre les choses au clair pour tout le monde. T'as compris maintenant? Toi et moi, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Tu veux dire quelque chose? Monsieur, je suis là où on va dans son bureau maintenant. Raison pour laquelle je suis venu dans votre bureau. D'accord, merci. J'arrive, tu peux partir. Maintenant, tu ne la supportes plus? Non, mec, je peux pas, elle était la pire. Maintenant, elle veut rester.
J'aime pas quand elle veut rester. Non, c'est non. Allez. Elle a besoin d'amour. Quoi? Comment ça, quel amour? Il n'y a rien dans l'amour. L'amour, c'est l'illusion. L'amour, c'est la commodité. Je sais pas qui a inventé cette bêtise et la mise dans la tête des gens. Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux t'écouter? Je veux dire, ton père a aimé ta mère et c'est comme ça que tu es né. Non. Mon paternel a engrossé ma mère et elle est tombée enceinte et c'est comme ça que je suis né. Maintenant, tu parles de mes affaires, allez, dégage de mon bureau. Viens me mettre dehors. Négro, va te faire foutre. Viens me mettre dehors. Je vais te casser la gueule, mec. Non, viens, viens. Maintenant, je sais pas comment t'es mon ami. Dégage. Mais wow. Mec, pour de vrai, pourquoi est-ce qu'elle veut le rester? Hey, mec, pour de vrai. Oh. Non. Cette fille t'aime. Arrête de dire ça. Elle t'aime. Mec. Je l'ai vu. Ça saute à l'œil. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Désolé, monsieur. Ah. C'est triste. Toutes les choses dont Fela a parlé dans sa musique s'accomplissent de nos jours. Je veux dire, cet homme était un excellent prophète. Vous connaissez Fela? Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne vous ai pas demandé si vous l'avez rencontré. Je demande si vous la connaissez. Non, monsieur, pas vraiment. Ah. Alors, nous sommes en train de parler de Fela, qui était un révolutionnaire de son temps. Et vous ne le connaissez pas. Je veux dire, vous les jeunes gens de nos jours. Je ne comprends pas. Les réseaux sociaux vous ont rendu tellement, je dirais même, accro et insouciant. Cette génération n'est que constituée de WhatsAppers, de WhatsApp, de Facebook et de TikTok. Désolé, monsieur. Alice est venue me dire que vous voudriez me voir. Oh, donc vous ne voulez même pas me laisser finir? Ce que je dis maintenant, c'est des conneries, n'est-ce pas? Non, pas du tout, monsieur. En fait, il y a beaucoup de messages dans ce que vous avez dit, là. Vous dites la vérité. Pourquoi alors vous m'avez interrompu? Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Comme je le disais, Fela était un maître trompettiste. Il était le whisky du saxophone. Je n'étais plus en train de parler de Fela. J'étais en train de parler de votre génération. Les réseaux sociaux ont rendu la vie tellement facile pour vous. Je veux dire, à notre époque, nous devions écrire de longues lettres. Et c'était difficile. Mais avec vous, je ne sais même pas si je devrais être en colère ou jaloux de votre génération. Peu importe ce que vous ressentez de ma génération, monsieur, nous aussi on essaie. Le dossier, le contrat avec la société de production, je ne le vois pas du tout sur ma table. Oh oui, monsieur, ça c'est parce que nous avons signé le contrat. Vous avez fait quoi? Nous avons signé le contrat, monsieur. Vous avez signé le contrat? Oui, monsieur. Ça, c'est une nouvelle formidable. Overtaking. C'est formidable. Derrick, vous êtes très intelligent. Je veux dire, votre génération est tellement intelligente et vous faites les choses avec beaucoup de rapidité. Où est mon téléphone? Ok. Ça, c'est une nouvelle formidable. Vraiment formidable. Ok. Laissez-moi voir où je l'ai copié. 2, 4. Je viens de vous envoyer 1 000 000 de naira. Quoi? Comme vous venez de le dire. Utilisez-le pour vous amuser. Merci, monsieur. C'est... Oh, vous l'avez mérité, amplement mérité. Maintenant, apportez-moi le dossier. Tout de suite. Apportez-moi. Merci, monsieur. Merci. Boblo. Merci encore. Boblo, les gars. Ce que je veux dire, ce gars est autre chose. En l'espace de... d'un mois, il nous a apporté 3 contrats. Je ne laisserai jamais partir ce garçon. En fait, je vais devenir son assurance vie. Ah, signer le contrat. Fantastique. Ah,
Ok. Mec, une grosse somme d'un million, juste comme ça. Mec, cet homme peut être obsédé par quelque chose. Il n'est pas obsédé par quelque chose, il est obsédé par moi. Tu sais que... Oh mon Dieu! Tu sais cet homme doit être obsédé par des meufs canadiennes. Non. Pourquoi est-il si heureux? Il est obsédé par mon intelligence. Allez, Jake, tu me connais. Tu me connais, tu sais de quoi je suis capable. Écoute, on ne fabrique plus des gars comme moi. Je suis le meilleur de mon genre. Hé, allez. Hey mec, l'orgueil est en train de parler. Non, c'est l'expertise qui parle. Je connais mon travail. On ne fabrique plus des gars comme moi, mec. Qui est en train de t'appeler? Oh, ta femme est en train de t'appeler. Oh, elle est toujours inquiète à chaque fois que je sors avec toi. Je veux dire, elle fronce ses sourcils comme une dinde qui est constipée. Pourquoi tu ris alors que tu es la cause du problème? Comment? Attends, mais comment? Mais voyons, à cause de tes multiples conquêtes. Allez, arrête, débrouille-toi avec tes problèmes de mariage, c'est pas de ma faute. Wow, salut. Je l'ai dit. Salut ma belle, bonjour. Je serais mort si je vois une belle femme comme toi et que je ne dise pas bonjour. Je dois avouer que t'es la plus belle chose que j'ai vue cette année. Wow. Merde. Laisse-moi t'offrir une boisson, tu veux? Salut, beau gosse. Salut, ma belle. Alors, dis-moi, où est ta copine? Quoi, copine? C'est quoi une copine, bébé? Regarde-moi, je suis célibataire. Je suis célibataire. Mais je pourrais bien être en couple si tu me laisses t'offrir une boisson. Ah, laisse-moi t'offrir quelque chose, allez. Mets un peu de couleur, t'as vu ma table? Regarde mon ami chauve. Il m'ennuie. Il me stresse. Et toi, tu pourrais ajouter un peu de couleur. Allez, bébé, viens, quoi. Quoi? T'es avec quelqu'un? Tu sais, ça devait être la première question que tu devais me poser. Eh bien, j'ai pas demandé parce que tout homme avec un bon sens te laisserait pas entrer si toute seule. Un jour comme ça, sans qu'il ne t'interpelle. Allez, quoi, tu vas devoir laisser quelqu'un t'arracher. Allez, ajoute un peu de couleur sur ma table, s'il te plaît. Oh mon Dieu, tu es un grand coup. J'essaie parfois. Allez, viens. Oh mon Dieu. Ouh, j'essaie d'être un gentleman. Et voilà, assieds-toi. Arrête de la regarder. Ouais, merci. Voilà ma ravissante amie. Je l'ai fait venir pour colorer cet endroit et apporter la lumière. Je m'ennuyais à mort. Ouais, comme d'hab. Salut. Ouais. Alors, je vois que vous êtes des meilleurs amis. Eh bien, parfois, quand je suis de bonne humeur. Je m'appelle Philippa. Non, ne fais pas ça. J'ai vu une belle dame et je l'ai arrêtée pour lui dire bonjour. Je suis Derek. On m'appelle D. D qui représente dynamique. Parce que je comprends le dynamisme des affaires et j'essaie de faire de toi mon affaire en ce moment. Je suis Grégory. Un nom très poétique. Salut Philippa. Non, c'est pas poétique, c'est en fait vieux jeu. Dis ce que tu veux. C'est un nom très ancien. Qui est grec en 2022? C'est qui grec? Eh mince. Il est marié. Oh. Ouais. Tu vois comment il allait stresser? Voilà ce que le mariage fait. Ça te stresse à mort. Il est stressé. Eh bien, jeune dame, je c'est dois sa partir. Femme qui appelle. Okay. On se dit à plus tard. Exactement. Est-ce qu'il va bien? Il ira bien, mais il n'est pas notre problème. Et puis, j'essaie de faire de toi mon problème. Qu'aimerais-tu prendre? Ok. Qu'est-ce qui te plairait? Je cherche un plat particulier. D'accord, et qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne le retrouve pas dans le menu. Rabaroli, tortellini, enolotti. Quoi? C'est quoi? C'est quoi ça? Quoi? Je l'ai mangé en Sicile, c'est un plat italien. Allez! C'est vraiment très délicieux, crois-moi. Ça va au-delà de mes forces, hein? Mais pourquoi est-ce que tu ris? Si c'est encore quoi ce nom? Tortelloni, Rivalotti, quoi? Ah, Rivalotti. C'est ce que arrête t'as dit, Tortelloni.
Anna Malotti, Dottorito, c'est ce que t'as dit? Non, 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 ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Parce que je parle italien, Anna Malotti, Anna Malotto, c'est ce que t'as dit. Oh mon Dieu, tu es en train de me rendre dingue. Et toi, tu me fais rire. C'est vraiment dingue. On vient de se rencontrer il y a juste quelques minutes, mais on est connectés. Et tu sais ce qu'on dit, un couple qui rit ensemble, on est fait rester ensemble. Un couple? Oui. Nous sommes un couple, Gérard, maintenant. Attends, tu ne comprends pas que nous sommes en couple en ce moment? Laisse-moi embrasser ces belles lèvres. Tu es très drôle. Je sais. Tu me laisseras t'embrasser un de ces quatre, n'est-ce pas? Qui sait? Oui, je sais. Alors, ouais, retour au menu. Oui, Tortolini. Nous y voilà. Wow. C'est ma maison. Bel endroit. T'aimes ce que tu vois, hein? Mm-hmm. C'est juste le début. Quand tu iras à l'intérieur, tu seras ébloui par le décor. Oh, vraiment? Aïe, 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 regarde ton sourire. Est-ce que je peux te demander d'arrêter de sourire, s'il te plaît? Oh, arrête. Ton sourire me rend confus. Arrête. J'essaie juste de me ressaisir. Ton sourire me donne envie d'entrer à l'intérieur. Oh mon Dieu, j'ai des grosses ennuis. Oh. Est-ce que tu peux arrêter? Mais non, je peux pas arrêter. Derrick! Derrick, qu'est-ce qui se passe ici? Jéhovah! Parle, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu me traques? Te traquer? Derrick, je t'appelle depuis 17 heures, l'heure à laquelle tu rentres du travail. Et tu ne décroches pas mes appels à cause de cette fille, à cause de cette chose. Cette fille facile, ce bloc de glace, hein? C'est à cause d'elle que tu ne décroches pas mes appels. Tu sais quoi? Écoute, je veux que tu te calmes. Je peux résoudre ça, c'est sous contrôle. Je ne veux pas que cette distraction te dérange. Elle est mon ex-copine et ne fait que jacasser. Gna, 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 c'est tout ce qu'elle Derrick, fait. Derrick, moi? Quoi? Une distraction? Oui, t'es Derrick, une distraction. Maintenant, je suis une distraction. Une distraction. Après tout ce que j'ai fait pour t'as toi. T'as fait quoi pour moi? Derrick, quand tu étais malade, je suis montée sur un arbre pour cueillir des feuilles pour que tu te sentes mieux. Je suis même tombée de cet arbre et tu as le culot de m'appeler distraction. Derrick, tu m'appelles distraction. Derrick, distraction. Attends, tu vas voir. Sonia! Sonia! Lève-toi! Lève-toi! C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ton problème? Réponds-moi! Derrick. Non, il n'y a pas de Derrick! Si tu la touches encore, je suis devant toi! C'est quoi ton problème? Tu veux... Oh, Sonia, arrête! 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 Arrête, t'es en train de m'embarrasser! Moi de faire. C'est ce que je viens de dire! Ok, je n'irai nulle part. Tu fais quoi par terre maintenant? Je n'irai nulle part. Est-ce que tu sais que t'es en train de me foutre la honte là? Tu sais où on est là? Moi, une distraction. Mais bien sûr! Ton temps est terminé! Oh, c'est maintenant la politique. Une affaire de tour. Mais ton temps s'est écroulé. Quel temps s'est écroulé? Laisse quelqu'un d'autre profiter de moi, c'est quoi ton problème? Tu es un idiot. Et toi, t'es une folle. Qu'est-ce que j'ai fait pour te rencontrer? Tu es un imbécile. On s'est rencontrés en boîte. Tu n'as pas à sortir comme ça, tu vas voir. Dégage de chez moi. Dégage d'ici. Mon cœur, comme je te l'ai dit, elle n'est qu'une distraction. Hein? C'est allez, toi, viens, on y va. C'est toi la distraction. T'occupe pas d'elle, on y va. Oh, Derrick, attends. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ne la touche pas, elle a retiré ta perruque. Elle vient de le faire il y a quelques minutes. Tu es un idiot. Elle t'aurait rendu en pièces si je n'étais pas là. Ta mère, ta génération. Toi. Et toute ta génération, sois maudit, idiot. C'est bon, je comprends. Je suis tombée amoureuse de cet idiot. Philippa. Distraction. Est-ce que tu peux dégager de ma vue? Écoute, c'est pas le temps pour vous soutenir et vous comprendre entre les femmes. Philippa, je termine ici pour me satisfaire cet après-midi. Tu ne peux pas faire ça. C'est pas le moment de vous réunir, vous pouvez pas faire ça quand même. Philippa, entre. Regarde-toi. Regarde-toi très bien. Comment ça, qu'est-ce qui va pas chez moi? Tu n'es rien d'autre qu'un animal. C'est ce que et tu pas es. Et n'importe lequel. Un énorme. Voilà, c'est ce que tu es. Voilà à quoi tu ressembles, un énorme c'est animal. C'est toi qui me parles de cette façon maintenant. Je suis totalement avec elle. Oh,
Crois-moi, je commençais même à aimer cet idiot. Imagine que tu n'étais pas venu. J'allais finir dans son lit. Oui, t'aurais terminé dans mon lit en train de crier le nom de ton père. Tu sais comment je fais? Allez, quoi? Eric, la personne qui t'a fait ça est morte. Tu es un idiot. Tu es maudit. Cette chose qu'on a fait t'a ramené ici. Alors de quoi tu... Idiot. Wow, wow, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds la tête de foire. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton problème? Pourquoi ça te fait mal? Regardez-les. Tu es tellement sans scrupules. Vous allez revenir toutes les deux. Je suis très sûr, vous allez revenir toutes les deux. Vous allez revenir chez Papounet, vous comprenez? Vous allez revenir. Faites-moi confiance. Vous allez revenir toutes les deux pour me prendre. Faites-moi confiance, tu me connais bien. Vous allez revenir, espèce d'idiote. C'est bon, allons-y. Vous voulez me frustrer? C'est bon. Derek, tu as senti. C'est bon. Je sais. C'est l'idiot. Bon. Je sais. C'est bon. Merci. Dégagez. Bon. Laisse le portail. Wow, dégagez de ma maison. C'est bon. Wow, dégagez de ma maison. Foutez le camp, bande d'idiotes. Idiot. Tu vois ton travail? Tu vas le perdre. Où le camp, espèce je te de jure, sorcière. Tu vas le perdre. Elle est même pas chère, ta fille. Bon marché. Tu m'as donné elle de l'argent bon pour la marché. Allons-y. Idiot. Il n'en faut pas bien pas le faire. Foutez le camp de chez moi. Tu vas perdre ton travail. Foutez le camp. Écoute, son travail, il va le perdre. T'es sûr? Salut, bébé. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Greg. Quel responsable homme marié rentre à 7h de la nuit? Tu abandonnes ta femme lourdement enceinte juste pour aller t'amuser avec ton cinglé d'amis. Voyons, nous ne sommes pas encore mariés, toi et moi. Ne crois-tu pas qu'utiliser le mot femme est un peu trop tôt? Ah, oh, Greg. Quoi? Je ne t'en veux pas. Donc, tu m'as enceinté. Tu m'as donné cette bague, sans intention de m'épouser, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu penses que le mot femme est extrême, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu... Ce n'est pas de ta faute. Mange du tapioca sec. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que je suis une chèvre. Je me sens comme une chèvre aujourd'hui. De toute façon, est-ce qu'il y a de la nourriture pour des êtres humains comme moi dans cette maison? Retourne d'où tu viens et mange là-bas. Ah. Ok. Je m'en vais. Je te verrai plus tard. N'ose même pas. Il y a la sauce Doha dans le frigo. Je vais aller la réchauffer pour toi. Les femmes. Est-ce que tu pleures toujours pour Derek? Je t'ai dit qu'il ne mérite pas tes larmes. Je t'en prie, oublie le juste. Ne vois-tu pas ma face? Je ne pleure pas. Tu ne pleures pas. Et tu as fini tous les mouchoirs de la maison. Hein? Allez, meuf. Ego. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment très mal. Tu aurais dû voir comment Derek m'a ridiculisé devant cette fille. C'était très humiliant, je te jure. C'est bon. C'est bon.
Les hommes sont des arnaqueurs. Et tu devrais le savoir. Ça, c'est le 21e siècle. On ne donne plus son cœur à un homme. Hein? Je me sens tellement inutile et sans valeur. C'est bon. Franchement, c'est bon. Echo, je peux te demander une faveur. D'accord, de quoi il s'agit? Est-ce que tu peux... Jamais de la vie. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne vais jamais supplier ce gars pour toi. Non, allez, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, juste? Cet homme t'a charmé? S'il te plaît. Il est ma vie. Non. S'il te plaît. Ah. Ego. Ego. Je suis vraiment surpris de te voir chez moi, Ego. Ah. Allez. S'il te plaît, mets-toi à l'aise. Allez, assieds-toi, s'il te plaît. En fait, je ne suis pas d'humeur à supporter ton jeu d'acteur. Oh. Qu'est-ce qui va pas avec ton humeur? Pourquoi es-tu ici? Sonia m'a envoyé. Pardon? C'est qui, Sonia? Excuse-moi. Je suis en train de te demander. C'est qui, Sonia? Eh bien, tu ne conseilles pas ton amie parfois. Je pense qu'elle en fait trop, franchement, si tu me demandes. Ouais. C'est quoi son problème? Mot de cœur. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à son cœur? Elle a eu un accident? Arrête de faire l'ignorant, tu l'as largué. Je l'ai largué? Quoi? Comment peux-tu larguer quelqu'un avec qui tu n'es même pas sorti? Comment ça? Ah, oh. Je suis jamais sorti avec ton ami. Je ne l'ai pas fait. On était des amis. Juste des amis. Hein? Juste comme toi et moi. Nous pourrions être des amis. Juste comme toi et elle. Vous êtes des amis. Juste dans ce cas. C'était un bénéfice mutuel. C'est juste un mensonge. Aimerais-tu me regarder droit dans les yeux, Ego? Allez. Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi que je mens. Hein? Non, tu peux pas. C'est bon. T'as l'air un peu crevé, mais c'est bon, je te comprends, bébé. Hein? T'as besoin de quelque chose à boire. Et probablement quelque chose à manger. Hein? Tu peux faire la cuisine? Je suis sûr que tu peux faire. Approche. Regardez ça. Juste de la bonne matière, hein. La cuisine est par là. Faisons quelque chose à manger. Ah. Ouh. Quoi? Allez. Allez, parle. Eh bien, je vais lui parler de tout ce qu'on s'est dit. Tu vas tout lui dire. Eh bien... Vraiment, tout, hein? Genre, tout. Eh bien... Eh bien, je sais que... Tu as les bons mots, tu sais quoi lui dire. Hein? Maintenant, je sais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas se lasser de toi. Ah, la matraque. Oh, je sais. J'ai juste essayé. Bon, tu vas t'arrêter encore ici, n'est-ce pas? Ouais, hein? Bien sûr. T'en vas encore, attention, mes voisins sont là. Allez, détends-toi. Bye bye. Je vais te rappeler. Attends, attends, je vais... Attends, je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Je vais t'appeler, hein. Je sais que t'en vois encore, mais je vais t'appeler. Et encore bye bye. Yo, mec. Allez, entre. Pourquoi tu regardes mon invité comme ça? Qui est encore celle-ci? C'est une très belle longue histoire. J'étais assis tranquillement chez moi, en train de m'occuper de mes affaires. Okay. Et puis Sonia
a envoyé son amie, est venue me parler pour elle. Mm-hmm. Et quand elle est venue, elle a eu sa dose. Oh, vraiment? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout était arrivé. Tu peux voir, elle sourit en partant. Tu crois que qu'est-ce qui est arrivé? Tu es impossible. Tout s'est passé. Tu vas rester dehors? ouais, je suis le méchant. Un corretto. Bon, Eto. C'est ton tour, Jules. Mais, Derek, sur un aspect sérieux, est-ce que tu as déjà pensé à abandonner ça un jour? Je veux dire, chaque joueur a un jour de retraite. Me retraiter de quoi exactement? Parce que je n'ai aucune idée de ce que tu dis. Oh, vraiment? Ouais. Combien de filles penses-tu que tu peux coucher avant de te caser? Me caser comme qui? Comme toi? De la façon que tu t'es casé? Tu n'es pas obligé Vas-y, joue, j'ai lancé le jeu. Je suis pas obligé de faire quoi? Tu n'es pas obligé de te mettre de cette façon, frérot. Écoute, peu importe comment tu le mets. Écoute, je veux dire, au moins, il y a une fille. Bien sûr, reste avec elle et casse-toi. Tu ne rajeunis pas. Et t'es sérieux? Tu vois, c'est ça ton problème. Trouver une fille hors de la vaste liste de femmes que j'ai à disposition pour me caser, voyons. Et qui va prendre soin des autres alors? Mais attends, tu penses en fait que tu peux coucher avec toutes les filles du monde entier, franchement? Ouais, mais j'essaie. Je vais aller aussi loin que ma force. Tu vas t'effondrer, mais où prends-tu ta force? J'en sais rien, mec. Écoute, je vois ces filles et la force me vient d'en haut et j'exécute. C'est impossible. Je sais, comment t'es mon ami, mais tu ne le sais pas. Vas-y, c'est ton vraiment tour. Terrible. Bah oui, toi. Non, attends, tu triches. Ralentis. Non, t'as recommencé. Mais toi. Quelle journée. Sonia? Est-ce que... Hey, Copine. Quoi de neuf? Raconte. Ah, comment c'était? Dis-moi. Tu veux savoir? Attends, tu me connais, non? Tu sais que je n'accepte pas n'importe quoi. Ok. Je lui ai tellement crié dessus, vu la façon dont il t'a crêté. Je t'assure qu'il était effrayé. Vraiment? Bien sûr, non? Je lui ai dit que tu méritais les excuses, vu la façon dont il t'a traité. Tu es sérieuse? Tu ne me fais plus confiance? Il a dit qu'il allait t'appeler pour s'excuser. C'est Attends, tu verras. Meuf, arrête, non? Il a dit qu'il allait t'appeler pour s'excuser. Pourquoi est-ce que tu veux faire la désespérée? Ne sais-tu pas que ce ne sont que des filles faciles qui se livrent facilement aux hommes? Oh! Je suis désolée, je sais. Mais tu es une bonne personne, merci. Je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu as cuisiné? J'ai cuisiné ton plat préféré. La puce, on dirait un enfant. Et en plus, tu pleures. La cuisine se régale. J'ai déjà mangé. Alors, je ne vais pas l'appeler, vas-y. Donne-moi ça. Bon sang, tu es tellement méchante. Entrez. Bonjour, monsieur. J'arrive pas à retrouver le dossier que je t'ai demandé de chercher. Je l'ai déposé, monsieur, il est juste sur votre table. Je ne le retrouve pas. J'ai cherché, c'est pour ça que je t'ai appelé. Le voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous? Oh non. Viens vérifier ma pression. Ego, il ne m'a toujours pas appelé. Et tu crois que c'est en regardant ton téléphone de cette façon qu'il sonnera automatiquement?
Mais tu as dit qu'il allait m'appeler. Oui, je l'ai dit. Mais j'ai pas dit qu'il le fera immédiatement. Allez, meuf, arrête de faire comme une grenouille qui souffre de malnutrition. Oh, oh. Ego, tu y vas un peu fort. Je suis désolée. Mes copines, tu dois te calmer. Tu dois te calmer, non? Allez! Je ne sais même pas ce que tu as vu sur ce gars qui te fait te comporter de la sorte. Pardon, oh. Ok, oh. Respectons les choix de chacun. Ok, oh. J'ai compris. Ne te cause pas une hypertension. Et ça te regarde? Je t'aurais prévenu. Détendons-nous et regardons un film. Pardon, laisse-moi tranquille. Reviens ici t'amuser. Oui. Oui, appuie juste là-bas. Oh. Pourquoi tu fronces tes sourcils, non? Je suis en retard pour le travail. Je suis vraiment en retard. Et tu le sais. Ah, ah. Mais il n'est qu'11 heures. Pourquoi est-ce que tu te comportes comme si l'entreprise va s'écrouler si tu n'es pas là? Mais est-ce que tu peux t'écouter? Je vais dire, écoute-toi. Je suis resté ici depuis le matin et tu n'as pas demandé un massage de pied. En fait, ceci doit être assez. Casse mon pied, oh. Tu entends? Casse mon pied. Comme si je m'étais enceinte et toute seule. Est-ce que tu es la seule femme enceinte dans ce monde pour l'amour de Dieu? Tu n'es enceinte que de 5 mois. 5 mois! Et tu ne me laisses pas respirer. Ça a l'air de 50 mois. Oui, oui. Bien sûr. Avec ça, nous sommes sûrs de rendre votre marque tellement célèbre. C'est ce que nous faisons ici. Oui, oui. Merci, merci beaucoup. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas beaucoup à faire avec. Ce sont ces deux jeunes hommes dans mon bureau qui s'en sont chargés. Eh bien, cette partie est véridique. Alors pourquoi n'arrivons-nous pas à la partie où vous commencez à faire des transferts? Bien sûr, j'y étais. Pas de souci, je serai en train d'attendre, ok? Merci. Merci, merci beaucoup. Oui, monsieur. Greg, tu sais que tu es un homme que j'aime, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et tu sais aussi que tu es le mec que je déteste, n'est-ce pas? Je ne savais pas ça, monsieur. Je suis désolé pour aujourd'hui, monsieur. Tu allais être plus désolé si cette affaire n'avait pas abouti. Mais à quoi est-ce que tu penses? Nous avons tous nos problèmes, mais la façon dont nous les gérons est ce qui nous définit. Exactement, je n'arrête pas de lui dire ça. Allez, toi, fermement, c'est désolé, affaire. Monsieur. Regarde, si cela se produit encore, une lettre sera en train de t'attendre sur ta table, et je peux t'assurer que ce ne sera pas une promotion. Ai-je été bien clair? Maintenant, vous deux, sortez de mon bureau. Monsieur, tous les deux? Voulez-vous tous les deux sortir de mon bureau et d'accord, me laisser travailler? Monsieur. Désolé, monsieur. C'est vraiment terrible. Ah, mec, je suis vraiment épuisé. Regarde, je ne veux pas dire que je suis désolé de m'être entraîné dans ceci, mais Salomé ne me rend vraiment pas les choses faciles. En fait, je vous envie pas. Le mariage, c'est juste une prison, tu comprends? Le mariage est tellement stressant, tout le monde là-dedans essaye de stresser son partenaire. Je ne vous envie pas. Je veux dire, et si j'avais perdu mon travail? Eh ben voilà, et si tu l'avais perdu? T'es en prison, mec. Si t'avais perdu ton travail, tu serais en train de raconter des histoires sur WhatsApp, en train de poster des mots sur des réseaux sociaux ou publier des nudités de Salomé parce que chaque fois qu'elle te le montre, tu perds la tête. Tu perds la tête et tu deviens confus. On dirait que tu commences à perdre la tête parce que tu ne prends jamais rien au sérieux. Je suis sérieux. Je t'assure, je suis sérieux. Ouais, ressaisis-toi, calme-toi avant que tu ne deviennes fou. Tu sais pour qui on travaille, monsieur Chola. Cet homme est imprévisible, tu ne peux jamais savoir de quoi il est capable. Tu dois te ressaisir, mec. Je pense que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Qui appelle encore cette fois? Sonia.
Et moi qui croyais que vous avez déjà réglé tous vos soucis. La fille n'arrête pas de remplir mon téléphone avec des appels. Bien sûr qu'on en a terminé. Son ami, je l'ai vu l'autre fois chez toi. Exactement, je t'ai dit que j'ai arrangé avec son ami, mais t'as oublié? Si c'est... ta femme, tu te souviens? C'est elle qui te stresse. Mon Dieu! Tu sais quoi? Je baisse les bras sur toi. Laisse tomber, Sonia. Cette fille me fatigue. Oh! Et si je partais chez lui, habillée de façon très sexy? Le Derek que je connais ne peut voir une fille sexy sans toutefois réagir. Je vais chercher quoi mettre. Allô, mon amour? J'ai un colis pour toi devant le portail. Oui, c'est beau et merveilleux. Je suis sûre que tu vas adorer. S'il te plaît, dépêche-toi. Ne fais pas attendre le facteur. Ouais, ok. Salut, bébé! C'est quoi, ça? Non, c'est quoi, ça, Sonia? C'est quoi? Maintenant que tu fais recours à la ruse et aux actes de désespoir, Sonia, c'est quoi, ça? Maintenant, si on te le demande, tu diras que tu as reçu ton coup, tu as réussi à me faire sortir. Je ne sais pas de quoi tu parles, hein? Ne suis-je pas un cadeau, hein? Emballé et livré au seuil de ta porte. De toutes les façons... Je suis là pour te dire que je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé la fois dernière. Ah bon? Je veux qu'on se réconcilie. Qu'on se réconcilie? Waouh! Je vois. Je vois. Mon bébé d'amour. Reviens à l'intérieur, non? Je suis en train de t'attendre. Qui est-ce? Qui est-ce? Une qui est-ce? Femme. Goyibo, comment as-tu pu me faire ça? Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Pourquoi est-ce que tu es en train de crier comme si quelqu'un t'avait piqué ton mec? Tu plaisantes ou quoi? Je t'ai supplié pour venir ici m'aider et voilà le pardon, résultat! Pardon, ferme ta bouche, ferme-la, non? Ah, ah. Qu'est-ce que ça signifie? Il a dit que vous n'êtes que des amis avec intérêt. Des amis avec intérêt et rien d'autre. Et qu'est-ce que moi j'étais censée faire? C'est ce que tu lui as dit. Tu vois, le truc c'est que vous deux, vous pouvez rester ici à vous insulter toute la nuit, au mieux encore rentrer chez vous, me laisser tranquille. Mais est-ce que vous savez ce que je pense qui serait mieux? Que toutes les deux me rejoignez dans la chambre en haut pour rendre cette rencontre plus excitante. Maintenant, vous voyez toute la haine et la vibration que je vois? Imaginez qu'on mette ça en œuvre et voir ce qu'on peut faire avec notre corps, la magie qu'on peut faire avec notre corps. C'est ce que je pense. Alors qu'est-ce que ce serait? Vous deux en train de vous hurler dessus toute la nuit? Ou vous venez dans ma chambre? Comme ça, on pourra faire la magie. J'avance. Hein? Et il est sérieux? Waouh! Pourquoi est-ce que tu me regardes?
Tu crois que nous sommes faciles et désespérés? Et qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... Je n'ai jamais été comme ça avec un homme. C'était tellement bizarre. Il n'y a rien de mal à cela. Je me pose quand même la question. Et s'il te plaît, arrête de me regarder comme ça. Ce n'est pas drôle. Eh bien, moi, je ne trouve rien de mal à cela. Le contraire m'aurait étonnée. On dirait que tu es habituée à cela. Copine, s'il te plaît, si tu veux me traiter de pute, de femme légère, de tout ce qui entre dans ce champ lexical. En fait, si ça t'enchante bien, tu peux le faire. Tu sais que je n'ai pas honte. J'en ai terminé. J'en ai terminé avec tout ce qui concerne Derrick. Ça, ce n'est pas la vie dont je rêvais. J'en ai terminé. Allez, c'est pas aussi grave. Qu'est-ce que tu racontes, Ego? J'ai très bien la vie, mon corps. Mais je n'arrive pas à me sortir de la tête ce qu'on a fait la nuit dernière. Derrick et toi, vous pouvez continuer à coucher ensemble. Je m'en fiche. Tu es sûre? Oui, tu peux l'avoir. J'en ai terminé. Sonia. Tu peux l'avoir. Tu es sûre? Oui, j'en suis sûre. Ne viens pas pleurer plus tard. Ok. Oh. Bye. Ok. Maintenant que la voie est libre, peut-être que Derrick va me prendre comme sa copine. Ça ne me dérange pas d'être sa maîtresse de toute façon. Qu'est-ce qu'il est chaud, mon Dieu. Il est trop fort. Cette maison est très propre. Ah, bébé. Salut. Tu es rentré tôt. Le boulot était très rapide aujourd'hui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tout est si propre. Waouh! Vraiment? Du planteur et oh wow. C'est du poisson et des pots de bœuf. C'est mon anniversaire. Arrête ça. Je crois, je veux dire, pouvons-nous faire ça tout le temps? Déjà, je rentre à la maison et nous passons du bon temps. Sans dispute, sans déchirement. Je veux dire, juste... Je vais essayer. Je vais essayer. Ce n'est pas de ma faute, Greg. Tu le sais, c'est cette grossesse. Tu es sûre? Es-tu sûre? C'est cette grossesse. C'est ton bébé. Ça ne sent pas comme l'eau. Et du plantain. Oh mon Dieu. Regarde, non? Regarde, j'ai brûlé la nourriture. C'est cet enfant. C'est cette grossesse. J'ai vu parler. Ah. Mais je t'aime de toute façon. Et j'aime toujours le mariage. Et je ne laisserai pas Derrick essayer de m'en dissuader. Allons-y. Oh, mon amour! Désolé. Est-ce que je vous connais? Bébé, tu... Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Arrête de plaisanter. Est-ce que tu peux me demander moi... Non, vous n'êtes pas autorisé à vous asseoir. Faites pas ça, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Est-ce que je vous connais? Tu es drôle, tu sais. Je veux dire, tu es un très bon acteur. Tu devrais être à Hollywood. Ne reste pas là à gâcher ton talent. Madame, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas comment vous avez fait pour entrer. Et j'aimerais savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis, c'est quoi votre nom? Maintenant que tu as terminé, est-ce que tu peux au moins être sérieux avec moi? Je veux m'asseoir. Levez-vous, s'il vous plaît. Ne me laissez pas poser mes mains sur vous. Je ne sais pas qui vous êtes. D'accord, je ne sais pas comment vous êtes entré ici. Je ne sais pas qui vous êtes. Dites-moi qui vous êtes et commencez par votre nom. Et qu'est-ce que vous faites ici? Tu es en train de plaisanter, c'est ça? Je ressemble à un comédien pour vous? Bébé, mais c'est une blague. Je ne sais pas qui vous êtes. Ne me parlez pas de cette façon.
D'accord, c'est bon, madame. Si vous ne me dites pas qui vous êtes, je vous suggère de partir. Bébé, c'en a assez de cette blague. Avancez. Avancez, s'il vous plaît. Allez à la porte la prochaine fois que vous venez ici. Je vous ferai arrêter. Tu blagues. Tu blagues. Non. Aimez-vous. Lève-vous. Dehors. Sortez de chez moi. Vous êtes une intruse. Sortez. La porte. Oui, continuez de marcher. Eh bah, dis donc. N'importe quoi. Tu oses venir chez moi. Avant que tu ne le saches, elle va commencer à t'appeler bébé. Quand est-ce qu'on va se marier? Quand vas-tu venir voir mes gens? C'est comme ça que ça commence. Quand vas-tu venir voir mon père? Ego, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'arrêtes-tu pas de tourner en rond? Tu vas me donner un arrêt cardiaque. Ego Ibo, qu'est-ce qui s'est passé? Dis quelque chose. Ah, Ego Ibo, je souffre. Ah, aujourd'hui, j'ai été humiliée comme une prostituée. Qu'est-ce que j'ai mal? Ego, tu vas arrêter de parler en parabole et me dire ce qui s'est passé. Qui t'a humilié? Depuis mon existence sur Terre, je n'ai jamais vécu un jour comme celui-ci. Ego, qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oublie ça. C'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler. Tu en es sûre? Ok, laisse tomber. Si tu le dis. J'ai pas envie d'en parler. Mais quiconque t'a humilié, t'a fait te sentir comme une prostituée, Dieu qui est au ciel, va punir la personne. Amen! Amen. J'espère vraiment que tu vas bien. Ne réfléchis pas trop. Que je ne réfléchisse pas. Ok. Je laisse tomber. Laisse tomber, oh. J'ai laissé tomber. Cette affaire est sérieuse, oh. Ah, ne te fâche pas. Jéhovah. Ça, hein? Oh. Je dois aller au travail, moi. Écoute, je dois aller au travail. 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 Si les gens de mon village ont été capables de me localiser et me retrouver en ville, je dois vous dire que je dois aller au travail. Peuple du village, vous m'entendez, je dois aller au travail. Vous comprenez, hein?
Ouais. Ah. Oh. Oh mon Dieu. Oh, mon portail. Pourquoi est-ce que ce gars m'a lancé ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce? Oh mon Dieu! Oh. Salut, désolé, est-ce que tu peux m'aider? Partez, vous sentez mauvais. S'il te plaît, je veux de l'eau pour me nettoyer, je t'en prie. C'est qui ce monsieur? T'es mauvais. Partez. C'est quoi cette odeur? J'ai une situation là, c'est pour ça que je suis vraiment désolé. Vous avez pété dans ma voiture? Écoutez, monsieur, j'ai une situation, je ne sais pas qui, mais une personne me l'a jeté sur le corps. J'ai une situation très grave, je veux rentrer. Descendez, monsieur. Je rentre chez moi. Monsieur, descendez, écoutez, s'il vous plaît. Je m'en vais chez moi, je dois rentrer pour me changer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mon frère, s'il te plaît, j'ai une situation très grave là. Je n'habite pas très loin d'ici, je t'en prie. Je ne peux pas vous transporter, monsieur. Mais il faut que tu m'aides, je t'en prie, regarde. Je suis là depuis, je n'ai vu personne d'autre, il n'y a que toi, je t'en prie, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Ah, s'il vous plaît. Regarde-moi. Descendez, monsieur. Je t'en prie, aide-moi. Je t'en prie. Crié. C'est quelqu'un qui m'a versé du caca dessus. Je t'en prie, aide-moi. Hey. C'est quoi exactement tout ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'étrange est en train de se passer. Quel est ce lien avec tous ces événements étranges? Mais que se passe-t-il? Hein? L'autre jour, c'était
C'était des œufs devant, juste devant mon portail. Et aujourd'hui, quelqu'un m'a versé du caca. Du caca sur moi. Imagine le niveau d'humiliation. C'était pas juste dégoûtant, c'était très humiliant. Attends. Est-ce que c'est possible que ces filles soient responsables de ça? Non, je ne le pense pas. Je ne pense pas. Non, c'est pas possible. Mais c'est quand même de trop. Qui peut être responsable de ça? Ça me donne du stress. Je suis stressé. Et même si je parle de ça à Greg, il va juste se moquer de moi, il va pas comprendre d'où je viens, mais je suis stressé. Quelle heure il est? Je dois aller au lounge et... Ah non, d'accord. Allez au lounge. Oh, Derek, conseille-toi. Allez au lounge, tu ne sais même pas ce qui t'attend là-bas. À ce moment, je pense que je dois rester à la maison et éviter toute tentation. Évite toute tentation. Ah oui, je vais rester chez moi. Qui m'appelle encore? Éviter plus de tentations et avoir la paix. Oh oh. Pasteur. Allô, pasteur. Je vous salue. Oui. Oui, tu connais la sœur Sonia? Quoi? Quelle sœur? Celle-là que tu as vue dans cette église. Tu sais, tous nous croyons que l'amour que vous partagez tous les deux vous conduira certainement à quelque chose de beau, quelque chose d'unique. Mais... Ce qu'elle est en train de me dire maintenant, je ne comprends absolument rien. Je t'en prie, Derek, est-ce qu'on peut se voir demain? J'arrive pas à croire qu'elle ait dit que je lui ai causé du tort. Mais écoutez, pasteur, demain, ce ne sera pas possible. J'ai autre chose à faire, mais on peut le faire le week-end. Oui. Ouais, le week-end sera bon. Le week-end sera bon. Non, je suis vraiment surpris. Je suis vraiment très surpris qu'elle vous ait dit ça. Parce que... Demandez-lui si elle est là avec vous. Demandez-lui si je lui ai promis le mariage. Non, mais demandez-lui, Sonia, oui, que je t'ai promis un mariage. Il m'a promis le mariage. Parce que je comprends pas d'où vient cette agitation. Je t'ai jamais promis le mariage. Tu m'as promis le mariage, Derek. Pasteur, est-ce que Sonia est là? Est-ce que j'arrive à entendre sa voix? Absolument, oui. Sonia est ici et tu es sur haut-parleur. Ouais, tu es sur haut-parleur. Tu sais, c'est très bien. Tu sais, c'est bien que vous vous écoutiez tous les deux. Comme ça, au moins, personne ne viendra nier ou mentir. Voyons ça samedi. Pasteur, je viendrai vous voir comme promis. Oui. Que Dieu te bénisse, mon frère. Promis, samedi. C'est exactement de ça dont je parle. D'une situation embarrassante à une autre. Mais qu'est-ce qui va pas avec ces filles de Lagos? Vous voyez cette chose qu'on appelle la chair? Elle est très faible et elle est forte. Ça peut vous contrôler et vous le sentez. Dites-le lui. Non, toi, dis-lui, pasteur, dis-lui. Me dire comment? Est-ce que je suis celle qui fait toutes les bêtises que tu fais dans toute la ville avec toutes les femmes du Nigeria? Regarde la façon dont tu me parles devant un homme de Dieu. T'as pas de respect. Tu viens ici parler d'amour, l'amour est forcé? L'amour est forcé. Comment? Oui, parce que ça vous lie, tous les deux ensemble. Et c'est un engagement qui te pousse à te donner juste pour une femme, ou encore pour un homme. Merci, pasteur. Dites-le lui. Excusez-moi, pasteur. J'ai dit à quelqu'un de m'apporter quelque chose et je leur ai donné l'adresse de votre bureau. Oh, ok. Ils sont déjà dans la cour. Merci. Allô? Ok, tu es déjà là? Demande le bureau du pasteur des jeunes. Je suis dans son bureau. Ok, merci. D'accord. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous?
Bonjour, mademoiselle Sonia. Bonjour, madame. Ok, je te laisserai un message par WhatsApp. Ok. Au revoir, monsieur. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Alors, comme je le disais... Désolé, pasteur, de vous interrompre. Est-ce que je peux aller chercher à boire? C'est juste en bas, j'ai vu un kiosque là, j'ai juste besoin de prendre un verre, c'est tout. S'il vous plaît. Nous parlons de quelque chose d'important. Je suis d'accord, c'est pourquoi je suis là. C'est juste que j'ai très faim et j'ai vu un kiosque juste en bas avant qu'on arrive ici. Alors s'il vous plaît, je vais juste prendre un truc pour grignoter. Juste grignoter. Elle peut confirmer que j'ai pas eu de petit déjeuner. Parce qu'on essayait de fuir les embouteillages. Pasteur, qu'il parte. Quand il va revenir, on pourra continuer. D'accord. C'est gentil, cette session est vraiment profitable. C'est vraiment raisonnable de ta part. Pasteur, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Merci. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Oh, pasteur, nous pouvons continuer de n'importe où. Je vous écoute. Ok. Et où est la boisson? Oh, je n'ai plus vu le jeune homme en question. Quand je montais, il était là, il était bien placé là, mais je ne l'ai plus vu et je me suis dit... que je devais rester un peu là pour prendre de l'air et réfléchir. Je suis resté là-bas, pasteur, pour consulter mon esprit. Et mon esprit m'a parlé en vérité, et ça m'a donné des conseils et des encouragements. Des conseils que je voulais, alors honnêtement, assis là, pasteur, je peux vous dire, continuez. Vous savez, vous pouvez parler, mais pasteur, autant vous dire que je vais respecter votre bureau, et puis, autant vous dire que cette femme n'a pas de respect. Elle ne me traite pas comme un roi, je n'ai rien à faire avec elle. Je ne sais pas pourquoi on tient cette session de conseil, mais j'ai pris ma décision. Je ne vais jamais retourner avec elle. Mais si vous voulez continuer de parler, je vais vous respecter. M'asseoir et j'écoute. Derrick, moi, après tout ce que j'ai fait pour toi, pasteur, après tout ce que j'ai fait pour Derrick... C'est bon, je suis désolé. Le Seigneur seul est ta force, ok? Tout ira bien. Le Seigneur est ta force. Pasteur, il n'y a pas de force dans ce genre de situation. Après tout ce que j'ai fait pour cet homme, voilà comment il a choisi de me remercier. Wow! Quelqu'un a l'air très heureux aujourd'hui. Ah ça oui, je suis content aujourd'hui. Et ça arrive quand tu pars dans la maison de Dieu et ton pasteur t'impose les mains et te consacre. Ah, les bonnes choses commencent à arriver. Ah ouais. Je vois que tu te sens mieux maintenant après ce moche incident de caca. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. J'ai mis cette expérience derrière moi et j'ai tourné la page. Mec, tu n'es pas toi. N'y a-t-il pas quelque chose que tu ne me dises pas? En fait, oui, il y a quelque chose que je ne te dis pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, le truc, c'est que tu dois retourner dans ton bureau et arrêter des ragots. Tu as cinglé. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'allez pas rire tous les deux si on ne boucle pas cette affaire. Maintenant, on se remet au travail. Cet homme est un esprit, mais... Il ne peut pas laisser les gens se reposer. Va dans ton bureau, je t'en prie. J'ai encore besoin de ce travail, moi. Allez, vas-y. Cet homme est un esprit. Un vrai démon. Ok, bye. D'accord. «
On y est. C'est pas facile d'arriver. J'aime beaucoup. Je t'avais prévenu. Nous y sommes. Merci. Où est mon ami? Waouh! Alors, chérie. C'est magnifique. Voici où je vis. Je suis ici avec ma copine. C'est vraiment magnifique. J'aime la décoration intérieure. Merci, mais c'est Sonia qui est responsable vraiment de ça. Ouais. Copine, tu es là. Bébé, voici mon amie, Sonia. Salut, Tommy. Je suis ravie. Ravie de faire ta connaissance. Sonia, tu es très ravissante. T'es pas mal non plus. Oh, c'est gentil. Mmh. Je sais que t'es aussi belle. Et moi, alors? Alors, meuf, voici mon amour. Et ça fait longtemps qu'on se fréquente. J'ai décidé de le ramener à la maison pour que tu puisses le rencontrer. Alors, pour former un beau couple. Oh, merci. Alors, copine, d'accord. Faites connaissance pendant que je prends ton temps, bébé. Gâteau. On n'a pas de pression. Tu sais que tu es vraiment sexy. Merci. Je sais que ça sera très cool si nous passons du temps ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Détendons-nous et passons du temps ensemble. Ah, ah, oh, ouf, ah. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu oui, bébé, un bruit bizarre. J'ai entendu ce bruit. Qu'est-ce que c'était? Je crois que ça vient de chez les voisins. Vraiment? Ouais. Oh, amuse-toi. Mais pourquoi est-ce qu'elle rit? De quoi est-ce que vous avez causé? Merci pour l'eau. Je ne sais pas vraiment. J'ignore pourquoi elle rit comme viens. Ça. Viens. S'il te plaît, viens. Bébé? Oui, bébé. Je te fais entièrement confiance. Non, non. Non, bébé, non. Calme-toi. Parce que les filles de nos jours ne blaguent plus. Elles peuvent voler tout ce qui est volable. Et je ne veux pas que ça arrive, d'accord? Non, bébé, c'est impossible. Elle n'a même pas le courage de me regarder. Tu sais que je suis ton homme et je suis fidèle. C'est seulement toi et personne d'autre. Merci, bébé. Merci. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je le sais. Ok. Salut, ma chère. Où es-tu? Hey, salut, Eric. Je suis très proche, je suis presque là. Où es-tu exactement? Et si tu commandais ta nourriture? La mienne également. J'ai très faim. Oui, je suis en train de regarder le menu en ce moment et tu sais quoi, je vais commander pour deux. Attends, donne-moi une seconde. S'il te plaît, comme d'habitude. D'accord? D'accord. Deux plats chauds pour deux. D'accord, monsieur. D'accord, merci. Oui, t'es là? Alors, je suis là à t'attendre et... En souriant tout seul et remerciant Dieu pour le miracle d'amener une merveilleuse femme comme toi dans mon monde. Hein? D'accord, je te verrai plus tard. D'accord. Ouais. Allô? T'as dit que tu étais à côté. Que se passe-t-il? T'es pas encore ici. Je suis sincèrement désolée. Je crois qu'on doit renvoyer pour une autre Sharon, fois. Je ne peux plus venir. De quoi parles-tu? C'est quoi le problème? Est-ce que je t'ai offensé d'une quelconque manière? Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi pour offenser une belle demoiselle comme toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me parler? Ok. Et aussi, ne fais pas de ça toute une affaire. Ça ne doit pas l'être, d'accord? Quelque chose est arrivé, je ne peux plus venir. Je viens de rentrer, je suis fatiguée, je pense que je vais dormir. Attends. Tu veux dormir ou quelque chose est arrivé? Si je suis en train de dormir, est-ce que quelque chose n'est pas arrivé? Pardonne-moi, mais je pense que t'es un peu culottée. Je veux dire, vas-y doucement, mais t'es en train d'annuler le rendez-vous que j'ai organisé pour qu'on puisse bien se connaître. C'est pas ce genre de traitement que je m'attendais. S'il te plaît, une autre fois, je dois partir. On se parle plus tard.
Vraiment? Écoutez tout le monde. Derek est mon mec et j'attends qu'il me revienne. Ah, copine. Ah, comment tu vas? La plus belle est de retour. Pardon, qu'est-ce que tu as cuisiné? J'ai véritablement faim. Tu as faim? Toi qui n'as pas dormi dans cette maison depuis hier. Imagine que tu t'es vraiment amusée. Je t'assure, oh. Ah, Tommy voulait me tuer. Ce gars ne m'a même pas laissé me reposer. Ah, il ne voulait enlever ni ses yeux, ni ses mains de mon corps. Oh, je vois. Les amoureux. Meuf. Qu'est-ce que ceci veut dire? Pourquoi est-ce que tu as fait ta bouche comme ça? Mais rien. Je suis juste contente pour vous. T'en fais pas. Le Dieu qui l'a fait pour moi, qui m'a donné ce mignon Tommy, le fera également pour toi. Non. Le Dieu qui t'a donné Tommy devrait m'éviter. S'il te plaît, que ce Dieu m'évite. C'est quel genre de prière, ça? Jalousie, regarde, mon mec m'appelle. Il veut savoir si je suis bien arrivée. Allô? Oui, mon bébé. Je reviens juste de chez toi. Je suis partie de chez toi il n'y a pas longtemps, bébé. Vraiment? Je te manque? Tu me manques aussi, chérie. D'accord, mon amour, t'en fais pas. J'arrive. De suite. Copine, mon mec veut que je reparte chez lui tout de suite, alors oui. Je m'en vais revoir, mon bébé, alors, s'il te plaît. Meuf, ça c'est l'amour, n'est-ce pas? Ne m'attends pas, s'il te plaît. J'ai perdu la tête. Peu importe, on se verra plus tard. Ah! Les Nigérians, ils passent leur temps à utiliser mon ami pour jouer le tam-tam. Égo et l'amour, 5 et 6. Le Dieu qui m'a donné Tommy, que Dieu m'en prenne, que ce Dieu m'évite. Je fuis les copains. Et si Tommy devient le seul homme sur cette terre, je deviens une bonne sœur. Tommy, mon œil. Ah, pardon. Que Dieu m'en préserve, pardon. Oui, allô? Est-ce que je suis en train de parler au chauffeur Uber? Je n'arrive pas à vous voir. C'est Derek, c'est moi qui ai commandé. D'accord, vous êtes en train de... Ok, vous êtes à quel niveau? Vous avez garé? Ok, c'est bon, je vous ai vu. D'accord, cool. Quoi? T'es atterri du ciel ou quoi? Mais regarde-toi. T'es en train de te foutre de moi, là, Sharon. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venue livrer un paquet. T'es venue me voir, ouais. Je suis venue livrer un paquet pour mon ami qui est en bas de la rue. Mais mon Oba a des problèmes à localiser cet endroit, alors je suis descendue pour l'attendre. Quoi, mais t'es dans mon quartier, là? Vraiment? Ouais, c'est ma maison, là. Waouh, j'aime bien, c'est joli. Tu peux encore le dire. Bien, j'ai des tas de choses à faire. Viens, tu es ici. Allez, c'est juste à quelques pas. Est-ce que c'est ton chauffeur? Je pourrais renvoyer le mien. Ouais, c'est mon chauffeur, mais voilà ma maison. T'en dis quoi si on s'est arrêté pour un pot, tu vois? Allez, viens. Non. Allez, quoi, Sharon? J'ai des choses à faire. Une autre fois. Oh, Sharon, fais pas ça. On y va, s'il te plaît. Putain. Alors, tu viens ou pas? Bien sûr, tu peux me pousser à venir.
C'était assez drôle. C'était assez drôle. Allez, on y va. Salut. Je suis désolé. Nous n'avons pas du tout vu ça venir. Mais nous pouvons vous assurer que nous sommes dessus. Nous allons le régler. Ok? Merci, merci. Où sont Greg et Derek? Monsieur, ils sont hors service. Hors quoi? Avec la somme d'argent que nous les payons? Pourquoi sont-ils hors service? Je t'en prie, appelle tout ce que tu peux avoir sur la main. Avec ce court message que je voudrais les voir ici tous les deux. D'accord, monsieur. Fais-le vite. D'accord, monsieur. Alors tu vas me laisser retourner à ton bureau? C'est du n'importe quoi, je ne fonctionne pas comme ça. Écoute, calme-toi, tu étais là quand j'ai décroché à cet appel. T'as entendu, c'est le travail. C'est pas comme si je te prenais pour acquise. Non, c'est le travail. Tu sais quoi, je m'en vais. Chauffeur, arrête la voiture. Je veux sortir. Non, 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 non. Non, 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 tu ne peux pas me faire changer mes plans. Mais de... Tu me promets de m'amener déjeuner? J'allais... Et puis après, tu annules. J'allais le... Je ne peux pas accepter cela, pas du tout. Écoute, pas besoin de rendre les choses si difficiles. Tu peux venir avec moi au bureau. Tu sais, tu peux m'attendre pendant que je règle ce problème. Ensuite, on ira chez moi ou aller quelque part pour nous détendre. Je ne veux pas ça, chauffeur. Pouvez-vous arrêter cette voiture? C'est du kidnapping, vous voulez avoir des problèmes? Arrêtez cette voiture, je veux sortir. Chauffeur, arrêtez, arrêtez, arrêtez la voiture. Cette journée n'est pas du tout bonne. Je ne suis pas du tout content maintenant. Je suis tellement en colère au point où je suis capable de briser une pierre avec ma tête. Le contrat que nous avions avec notre partenaire au Brésil, j'ai reçu un appel tout à l'heure et j'ai été informé que le contrat qu'ils étaient censés signer avec nous est maintenant ouvert au grand public. De quoi est-ce qu'il parle? Vous murmurez. Je veux dire, nous nous sommes battus contre New Life Media et avons déclaré notre cas. Et laissez-moi vous rappeler que c'est un contrat qui vaut 10 millions de dollars. Et si nous perdons ce contrat... Eh bien, je sais que vous tous, vous savez que la plupart d'entre vous n'aura plus d'emploi ici. Derek. Greg. Il n'y a rien de plus important maintenant dans vos vies que ce cas. Je veux que tous les deux vous y travaillez dessus. J'aimerais que vous arrangez ça et que vous le rameniez à la maison. Je compte vraiment sur vous deux. Ok? Oui, monsieur. Nous ferons de notre mieux. Je ne veux pas que vous fassiez de votre mieux. Je veux que vous m'obteniez ce contrat et le ramener à la maison. Et je compte sur vous deux. Ok? Bien, monsieur. Monsieur, ne croyez-vous pas que quelqu'un d'autre devra gérer ça? Quelqu'un comme? Comme moi, monsieur. Combien de contrats as-tu amené dans cette entreprise? Je veux dire, c'est quoi ton travail au juste ici? Je ne veux plus jamais entendre ça. Ok? Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Je comprends ce que vous ressentez. Ne considérez pas cette remarque. Greg et moi allons gérer ça et le livrer. C'est bien. D'accord. Et je compte sur vous deux. Oui, monsieur. Merci beaucoup à tous. Vous pouvez partir. Merci, monsieur. Hey, mec. Je suis vraiment fatigué. Je dois partir. Salomé sera vraiment en colère contre moi parce que je ne lui ai pas dit que j'allais rentrer tard.
Je suis fatigué moi-même. J'ignorais que ça allait prendre tant de temps. J'espère vraiment que ceci aboutira à quelque chose. Nous devons vraiment bosser dur. Quoi de neuf? Est-ce qu'il y a du nouveau chez nos compétiteurs? Écoute, ce gars ne rend vraiment pas la tâche facile. Le truc est qu'ils n'ont que 4 ans dans l'affaire. Juste 4 ans. Et ils ont bouclé de grosses affaires. Et ce qui est le plus énervant, c'est que ce gars n'a que 4 ans dans l'affaire. Ouais, juste 4 ans, il ne s'agit pas du temps, mais du travail qu'ils abattent. On a du boulot. On a du pain sur la planche. On a vraiment du pain sur la planche. Ma femme sera très très en colère contre moi parce que je lui ai rien dit. Pourquoi est-ce que tu ris? Pourquoi est-ce que je parie? Vous, les gens marient, vous stressent. C'est quoi ton problème maintenant? Est-ce que c'est cette affaire que nous essayons de résoudre? Ou ta femme, tu parles des deux en même temps? Tu vois, les gens mariés, c'est comme ça que ça se passe toujours. Quand tu t'excuses, c'est pour quelque chose que tu n'as rien fait. Tu vois pourquoi je veux pas me marier? C'est stressant. Tu as recommencé une fois de plus. De quoi est-ce que tu parles? Tu ne le comprendras jamais. Mais en fait, le mariage apporte la joie. Tout ce que tu dois faire, c'est d'être patient. Le sacrifice. Non, le mariage, c'est la guerre. Ouais, le mariage, c'est toi qui essayes de faire plaisir à quelqu'un d'autre qui ne veut pas que toi, tu sois toi-même. Ouais, c'est ce que c'est. Tu sais, perdre qui tu es pour faire plaisir à une personne qui ne veut pas que tu sois toi, pour son propre intérêt. Mec, va dormir. Je crois que tu as raison. Ouais, tu as raison. Va dormir. Tu me tueras un de ces quatre. Tu ne montes pas? Va dormir. Dormir avec moi? Non, va dormir, je rentre chez moi. Va dormir. T'en fais pas, je vais aller dormir. Chérie, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que j'allais m'être aussi long. Je suis désolé, pardonne-moi. Tu sais la raison pour laquelle on appelle ça téléphone? Greg, je t'ai appelé 4 fois. Moi? 4 fois et tu n'as pas décroché tes appels. Moi? Tu m'as appelé 4 fois? Oh, tu l'as fait. Regarde, c'était sur vibreur, bébé. Ta nourriture est dans le micro-ondes. Passe une bonne nuit. Ne me pousse pas à croire ce que Derek dit sur le mariage est vrai. Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Le jour où tu vas arrêter de traîner avec ce bon à rien est le jour où tu auras la vie en abondance. Dis le Seigneur. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais je t'ai dit la vérité. Mais franchement, attends, c'est quoi tout ça, hein? Je suis allé au travail, on était en train de travailler et nous avons une date limite au bureau, tu te rends compte? Tu crois que j'étais là à boire une bière ou autre chose? C'est possible. Tu dois redémarrer ton esprit. En fait, tu dois débarrasser ton esprit de toutes les saletés qui s'y trouvent. Greg, tu dois étudier tes amis. En fait, c'est lui qui avait raison. J'ai dit que j'étais désolé. Bien sûr. La façon que ça a tourné, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Ton angle là est différent, ouais. Est-ce que t'es en train de plaisanter? C'est ce qu'il a dit? Ah, tu sais quoi, je vais devoir te rappeler, comme ça on aura le temps de bien causer sur ça. C'est très intéressant. Bien sûr que je vais te rappeler. Un candidat vient juste d'entrer dans mon bureau. Espèce d'idiot. Ouais. D'accord, mec. À plus. Cool. Toi, c'est quoi ton problème? Tu me dis ton papa. Quand t'es venu ici, c'est moi qui ai pris ton dossier. Je t'ai amené chez le patron. Et je l'ai supplié, s'il vous plaît, donner à cet homme le travail. C'est un homme marié. Il a besoin d'un boulot. Donc, je dois commencer à te donner mon salaire à cause de ça, n'est-ce pas? Oh non, allez, je ne me nourris pas des gens pauvres. C'est pas mon genre. Regarde cette girafe. Tu es un gros idiot, toi. Merci. Alors, je vois que tu brilles ce matin et tu es également très content. On dirait que tu as échappé belle à Salomé la nuit dernière, hein? Ouais, sans doute. Elle s'est rassasiée.
dirait que je vais devoir partir tôt aujourd'hui. Parce que je dois l'amener à l'hôpital. Oh, d'accord, je comprends. Est-ce qu'elle va bien? Ouais, elle va bien. Juste la routine et les visites prénatales. Hello, ok, les choses que les gens font quand les femmes tombent enceintes, c'est ça? Oh, vous êtes fort, cette vie n'est pas pour moi. Attends, es-tu en train de dire que tu n'auras jamais d'enfants? Oh non, je dis simplement que je ne veux pas que leur mère soit à mes côtés quand elles porteront les enfants dans le ventre. Mec, tu es tellement méchant! Je sais, je peux pas m'en empêcher. Bonjour, monsieur. Bonjour, Alice. Y a quelqu'un ici pour vous voir, monsieur. Est-ce que la personne a un rendez-vous? Non, monsieur, mais elle a dit que vous allez adorer la voir. Elle? C'est quoi son nom? Mademoiselle Sharon. Sharon? Mais qu'elle vienne, laisse-la entrer. Fais-la venir. Mais vas-y, laisse-la... Allez, mec, sois douce avec elle. Elle a des larmes dans les yeux. Alice? Est-ce que tu pleures? Derek. Quoi? Mais tu l'as laissé tomber et en plus, elle est ta secrétaire. Comment est-ce que je peux laisser Sharon? T'as vu ses hanches? Non, la prochaine fois qu'elle va entrer, prête attention à ses hanches, tu vas... Ah, mais laisse-la. Et regardez qui avons-nous là. Bonjour. Bonjour. Lâche sa main, t'es un homme marié. Pourquoi? Tu as peur? Arrête, t'es un homme marié, t'es marié. J'ai essayé de sauver ton mariage, lâche ta main. Eh bien, j'imagine que je dois commencer à partir. On se voit plus tard. Non, j'espère ne plus te revoir, d'accord? Ne reviens plus. C'est un sacré numéro. Ouh, regardez qui avons-nous ici. Bon sang. Eh ben, dis donc, t'es radieuse. Et laisse-moi te demander, alors... Que fais-tu dans mon bureau? Oui, que me vaut cette visite parce que la dernière fois, j'étais avec toi dans le taxi et tu es parti comme si j'avais le coronavirus. Genre, maintenant t'es là. Dis-moi pourquoi tu es dans mon bureau. Ok, ralentis un peu. Doucement avec les questions. Respire et pose l'une après l'autre. Alors, belle demoiselle Sharon, que me vaut cette... agréable surprise de ta part. Je suis ici pour t'amener à déjeuner. Oh, mais arrête de plaisanter. T'as vu l'heure? Il est quelle heure? Il est 9h. Vraiment? Oui, il est 9h. Pourquoi est-ce que je suis en train de blaguer? Il est beaucoup trop tôt pour blaguer. Si je ne me trompe pas, les blagues commencent dans l'après-midi. Donc tu ne blagues pas? Non. C'est bon. En fait, le truc, c'est que j'ai un objectif à atteindre et je vais... Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ok, voilà ce qu'on va faire. Je vais t'amener dans un coin que j'aime. Mm-hmm. Comme ça, de cette façon, on pourra se dépêcher pour que je revienne au travail. Ça te va? Mm-hmm. Il y a un endroit où j'aimerais t'amener. Pas très chic, mais ils font le meilleur petit déjeuner là-bas. Oh non, parlant de petit déjeuner où je t'amène, c'est très beau, fais-moi confiance. Oh, s'il te plaît, laisse-moi t'amener là-bas. Je t'en prie, j'insiste. Et si tu n'aimes pas, on va chez toi la prochaine fois. Si tu insistes, alors je dirais, lève ton cul de ta chaise et avançons. J'insiste, et je dirais que tu me donnes quelques minutes pour que j'arrange un peu ce bazar, et ensuite on y va. D'accord. Me fais pas attendre. Je n'arrête pas de te regarder parce que t'es ravissante, j'adore ta coiffure. Eh ben dis donc, Sharon, t'es ici. Qui l'aurait cru, en fait? Je suis vraiment désolé, la nourriture met un peu de ton parfois. Mais la nourriture est très bonne, quand elle va arriver, tu vas l'adorer. C'est bon. Ah. Regardez ça. Tes yeux peuvent brûler le corps d'un homme, Sharon. Quoi? Tes yeux. Tu n'arrêtes pas de me regarder. Et ça cause des brûlures sur mon corps. Regardez à travers mon cœur, même comme tu lis mes pensées. Mmh. Bien sûr que je le sais. J'essaie juste de connaître ce qui te pose. À quoi est-ce que tu penses? J'ai la pensée d'une exploratrice. Et j'aime bien... explorer. Intéressant. Pour moi, je... Je suis
occupé par mon travail. J'adore les défis. Parlant des défis, je... Nous sommes face à un gros problème actuellement au bureau. Tous les deux, face à face, en train de pourchasser un très gros contrat d'affaires, un très gros d'ailleurs. Ça me tracasse, je dois l'avouer. Mais je suis ici. Parle-moi de ça. Tu veux que je te parle de ça? J'aimerais bien. En effet, tu as l'esprit d'une exploratrice. Dis-moi. Ok, c'est bien, c'est bien. Alors, nous avons une semaine au jour J. Et vous ferez mieux de garder ça pour vous. Vous n'avez pas à vous en faire, monsieur. Ce n'est pas comme si je ne te faisais pas confiance. T'es un homme honorable, Craig. C'est à ce Derek que je ne fais pas confiance. Qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Si une fille, n'importe laquelle, entre là maintenant et commence à lui caresser les oreilles et la tête avec ses doigts, eh bien, je suis sûr et certain qu'il va lui dévoiler tous nos secrets les plus ultimes. Monsieur, c'est pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Je sais, et je ne peux surtout pas le comprendre. Je ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas changer ça. Hein? C'est d'accord, sans problème. Donc, je vais entièrement tout finaliser. Vous pouvez partir maintenant, et on se verra plus tard. D'accord. Ok, à vos postes. D'accord, d'accord. Sans problème. Ok, c'est bien maintenant. Ok. Salut, Bogas. Où es-tu? Oh, je suis à la maison. Comment tu vas? Est-ce que tu peux me retrouver au Lounge Skip au Signature? Oh, à cette heure de la nuit. Il est 22h. Ouais, c'est une bonne heure pour passer du bon temps, ne crois-tu pas? Oui, mais j'ai du boulot demain matin. Ok, je t'attends. Ouf. Écoute, c'était ma mère et elle a besoin de moi. Tu sais que tu es un homme célibataire de Lagos. Oh, tu pensais que je n'ai pas entendu sa voix? Laura? Je ne sais pas ce que tu penses qu'il y a entre nous. Ici. Ok? Je ne sais pas ce que tu penses qu'il y a entre nous, mais tu vois ces bateaux? Ces bateaux ont navigué il y a de cela très longtemps. Le fait de te laisser ici, c'est que j'essaie de ne pas être méchant et désagréable envers toi, tu comprends? Alors n'entre pas là et croire que tu as le droit de me poser des questions. Tu comprends? Car je ne te dois rien et tu ne me dois rien. Toi et moi savons tous les deux que c'était pas ta mère. Eh bien, c'était qui? J'ai dit que c'était. Oh. Ah ouais? Lève-toi, tu t'habilles. Je peux pas te laisser ici. Parce que tu veux l'amener à la maison maintenant, n'est-ce pas? Oh non, parce que je ne peux pas laisser une ex qui essaie de retrouver son chemin dans ma vie, toute seule dans ma maison, pendant que je suis pas là. Je veux pas mourir jeune. Oh. Ouais, c'est pour vraiment. Ça. Debout et habille-toi. N'importe quoi. Thank you.
Te voici. Ouh. T'es très ravissante. Merci, on me le dit tout le temps. Oh, l'orgueil. Viens, allons-y. L'orgueil. Allez. Ah, d'accord, je te suis. Je te suis. Alors, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je veux dire, il se fait tard. Ah, mais je ne suis pas toute seule, tu es là. Ah, ça, tu l'as dit, je suis là. Alors, que veux-tu boire? Eh bien, rien de lourd, j'ai une très grande journée demain, donc je ne veux pas me réveiller avec une migraine. De l'eau, ce sera bon. Ok. Servard? Et deux verres de whisky, s'il te plaît. Eh, j'ai dit de l'eau. J'étais bien entendu. Tu n'as pas entendu, j'ai dit de l'eau. Whisky. Oh. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Dis-moi, comment était ta journée? Bien. Vraiment? Ouais, ma journée a été parfaite jusqu'à maintenant. Que tu veux me rendre ivre? Je vais te faire passer une bonne soirée que tu ne vas jamais oublier. Oh, vraiment? Oui. Eh ben, nous y voilà. Merci. Ah, nous y voilà. Trinquons. On trinque, d'accord. La vie. D'accord. À ce moment. Ce moment. T'as raison. On va aller chez moi. Alors, où est-ce que tu m'amènes maintenant? Tu m'amènes où? Je vais te trouver un taxi, d'accord? Non, tu ne peux pas. Je vais être ici. Tu parles de quoi? Je ne suis pas ivre, moi. Je ne suis pas ivre, je gère. Il y a beaucoup trop bu. Je gère. Ok, à l'aide. Tu vas venir chez moi. Non, je ne peux pas. J'ai beaucoup de choses à dire demain. Et toi, tu vas être... Allez, viens chez moi. Derrick. Je serai gentil avec Derrick. Toi. Derrick. Je vais t'aimer. Et tu dois. Je vais danser. D'accord. Si tu viens chez moi... Une autre fois. Et si tu rentrais chez toi? Viens chez moi. Viens chez moi. Tu viens avec moi ou pas? Non, je ne peux pas venir avec toi. Laisse-moi tranquille, donc. S'il vous plaît, prenez soin de lui. Je m'en vais. Derrick? Ok, appelle-moi. Vas-tu m'appeler? Quoi? Je vais être ici et je vais attendre. Les clés. Oh. Derrick? S'il vous plaît, aidons-le, monsieur. Derrick? Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous coucher ici, s'il vous plaît. Aidons-le. Quoi? Il est Derrick? Où mon taxi? Allez, debout! Il est où mon taxi? Mon taxi. Où est mon taxi? Votre taxi est dehors. M'en fous. Votre taxi est dehors. Où est mon taxi? Ah. Pourquoi est-ce que celle-ci dort de cette façon? Réveille-toi, ton téléphone est en train de sonner. Madame, ton téléphone est en train de sonner. Réveille-toi. C'est Tommy.
C'est Tommy. Et tu ne veux pas décrocher? Pourquoi? Tu veux déjà m'envoyer à la morgue? Je croyais que tous les deux, vous étiez fous amoureux l'un de l'autre. Alors, quand allais-tu me dire que Tommy était intéressé par toi? Copine, les garçons me regardent. Les gens me regardent. Alors, ce n'est pas nouveau. Néanmoins, ce n'est pas mon genre. Ah, il n'est pas mon genre. Tu te souviens de mon ex-copain, Derek, et de cette chose que vous avez faite? J'attends ma saison de vengeance. Ah, ah meuf, pardon, pardon, pardon. Je t'en prie, fais-le maintenant avec Tommy. Pardon, pardon, je te donne même le feu vert. Je te donne le feu vert. N'attends pas quand j'aurai un petit ami sérieux et tu commences à sortir avec lui et puis tu me parleras de vengeance. Je t'en prie, oh. Ah. Je t'ai déjà dit que c'est sur ton futur mari que je vais prendre ma revanche. Non, non, Vanessa. Non, je t'offre, Tommy. Prends-le comme une offrande. Je te l'offre. Prends-le. Je t'ai déjà dit que c'est avec ton futur mari que je vais me venger, oh. C'est avec ton futur mari que je veux me venger. Eh bien, si mon futur mari le fait avec toi, ça veut dire qu'il n'était tout simplement pas mon mari. Je divorcerai. Pourquoi? Infidélité. De nos jours, hein, meuf, les femmes ne divorcent plus à cause de ça. Sauf si tu es vieux jeu. Et toi, ego que je connais, tu ne l'es pas. Tu le sais? Je le sais. Tu sais que je le sais. Tu as pigé? Fous-moi le camp, sale imbécile. Ah. C'est déjà à ce niveau. On dirait que Monsieur Tommy ne peut pas rester une seconde sans... Tu comprends? Le simple fait de prononcer son nom me fait... De toutes les façons, comment tu sais qu'il flashait sur moi? L'idiot parierait envoyer un message. Un message au hasard qu'il devait envoyer. Il me l'a envoyé. Je l'ai confronté. Il m'a avoué. Mais la meilleure partie, c'est lorsqu'il m'a dit que tu l'as refoulé. Désolée, vraiment, vraiment désolée, mais ton gars est un débile, je le jure. Où as-tu trouvé ce gars? Oh mon Dieu. Et pourtant, tu sais comment les trouver. Monsieur? Monsieur? Ah, monsieur? Mais pourquoi un bel homme comme vous serait couché par terre à cette heure sinon, hein? Êtes-vous sûr que vous n'avez pas bu, hein, monsieur? Qui es-tu? Qu'est-ce que je fais ici? Qui es-tu? Mais monsieur, pourquoi vous êtes couché ici, non? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Bouge, 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 bouge! Vas-y, je veux pas de tentation, dégage! Ah ah! Moi, je voulais juste vous aider. Ne m'aide pas! Je veux me tenter! Elle veut m'aider. À chaque fois qu'un homme dit qu'il veut tourner une autre page, tu dis que tu veux m'aider, tu veux me tenter, ouais. C'est ça que tu veux. Me tente pas. Je vais être un homme bien. Oh. C'est quoi tout ça? Attends. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi cette honte encore? Comment je suis arrivé ici? Comment ai-je fait pour atterrir ici? Oh, Derek! Si une femme ne te détruit pas, rien ne pourra te détruire. J'ai dormi ici à cause d'une femme. Oui!
Oh mon Dieu, comment je fais? Aujourd'hui, c'est le jour. Le travail, ma présentation, aujourd'hui, c'est le jour. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi m'arrêtez-vous? Vous ne pouvez pas pourquoi entrer. Que je ne dois pas entrer. Vous ne pouvez pourquoi pas entrer. Pourquoi ne dois-je pas entrer? Hein? Lâchez-moi. Madame, est-ce que tu vas bien? Ah, vous ne... Regardez-moi cette vous fille. Ne pouvez pas. Vous n'êtes pas invité. Lâcher. Mais c'est vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi. Vous n'êtes pas invité. Qu'est-ce qu'on va pas chez vous? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hey, c'est bon. Je suis désolée, monsieur. J'ai essayé de la... C'est bon, Alice. 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 C'est bon, je gère. Tu peux partir. Je vais m'en occuper. N'importe quoi. C'est quoi ça? Non, ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi tu entres ici de cette façon? Derek. Oh, 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 tu parles de là. Derek. Oui, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me traites de la sorte? Ne peux-tu pas voir que mon corps te désire? Tu me manques vraiment. J'ai dit ne me touche pas. Regarde, Derek. Est-ce que tu... Derek, tu me manques, mon bébé. Derek, tu me fais mal. Alors place-toi là et parle. Pourquoi tu es ici? Derek, regarde. Aucun homme ne peut me faire la chose que tu me fais, hein? S'il te plaît, accepte-moi. Laisse-moi. Je veux te poser une question, Laura. Es-tu sous une emprise? Oui, 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 je suis sous ton emprise. Tu es tout ce que je vois, genre, tu es tout ce que je vois. Derek. D'accord, ok, tu sais quoi? Tu sais quoi? Calme-toi, respire. Respire. C'est pas l'endroit. Et pas l'heure. Pense ce que tu veux. Tu comprends? Rentre à la maison. Je vais t'appeler. Après le boulot. Derek, c'est un mensonge. Tu ne vas pas m'appeler. Je te connais. Tu ne vas pas m'appeler. Je vais t'appeler. Tu ne vas pas m'appeler. Tu dois me croire. Je vais t'appeler. Derek, tu ne vas pas m'appeler. Tu vas devoir me croire. Je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Derek promet. Je te promets que je vais t'appeler, je viendrai chez toi ce soir. Regarde comme tu parles, je viendrai chez toi cette nuit. Comme un polygame roi africain, je viendrai chez toi cette nuit. Rentre, je vais t'appeler. Derek, promets que tu vas appeler. Je le promets. Si tu ne m'appelles pas, je viendrai chez toi. Tu me connais, je viendrai chez toi. Je vais t'appeler. Et tu ferais mieux d'avertir ta secrétaire, peu importe comment elle s'appelle, avertis-la. La prochaine fois qu'elle m'empêche d'entrer dans ton bureau, je vais lui donner une très bonne gifle. Une bonne gifle et qu'elle ne saura pas d'où ça vient. Avertis-la. D'accord, madame, je vais l'avertir. Derek, mais tu vas m'appeler, n'est-ce pas? Je vais t'appeler. Secrétaire, oh, faudrait mieux l'avertir. Elle ne verra que du feu. Si elle t'aime, elle n'a qu'à me dire, oh, comme ça je saurais quoi lui faire. N'importe quoi. Oh, Derek. Qu'est-ce que tu t'es infligé? Derek. Monsieur. J'ai été informé d'un drame qui se serait produit ici dans ce bureau. Oh, très mauvais, monsieur. Très mauvais, monsieur. Je le regrette. Que regrettes-tu exactement? Et si c'était un de ces jours où je venais au bureau avec l'un de mes partenaires étrangers, qu'allait-il se passer exactement? Et c'est exactement de ça que je t'ai prévenu l'autre jour. Exactement, monsieur. On en a parlé il y a de cela quelques jours. Écoutez, je suis désolé. Sérieusement, je suis vraiment désolé, mais c'est pas de ma faute. C'est comme ça que ces filles se comportent. Et elles portent l'amour dans leur tête. On dirait que leur vie en dépend. J'ai dit à cette fille, ça ne sert à rien de m'aimer de cette façon. Ce n'est pas si profond. On s'amuse ensemble. Vous me comprenez qu'elle me donne mon espace à moi. Et elle se pointe ici pour créer des scènes. Mais je suis vraiment désolé, monsieur, je gère ça. Je lui ai déjà parlé. Elle n'a aucun droit de venir exposer ses désirs ici. Monsieur, j'ai tout sous contrôle. J'adore mon travail.
Monsieur Derrick l'impitoyable. Oui, monsieur. Alors, tu veux me dire qu'à 4 jours, 4 jours de la présentation la plus cruciale que nous avons dans cette entreprise, tu as encore le temps de flirter avec les femmes? Non, monsieur, je suis toujours concentré sur l'objectif. Faites-moi confiance, on va avoir ce contrat. Derrick. Monsieur. Eh bien, si je perds ce contrat à cause de toi, je vais m'assurer qu'il ne reste plus rien de ton corps et même de ta vie, qu'aucune femme ne pourra plus jamais désirer. Maintenant, va mettre de l'ordre dans ta vie. Vas-y, dégage. Merci, monsieur. Non, mais regardez-le. Hey! C'est pas vrai. T'as perdu la tête? Est-ce que quelque chose ne va pas bien chez toi? Je te demande, est-ce que t'es folle? Quelque chose ne va pas bien chez toi? Hein? Tu viens dans mon lieu de service? Tu es venu dans mon bureau pour créer une scène? Est-ce que quelque chose tourne pas rond? Bébé, calme-toi. C'est la raison pour laquelle tu m'as invité, pour me hurler dessus. Qu'ai-je fait de mal au juste? Parfois, je ne te comprends pas. Vas-tu retirer ce mot de bébé de ta bouche avant que je te colle une claque dans cette gueule? J'ai failli perdre mon boulot aujourd'hui. À cause de toi! À cause de ta folie! Je suis désolée. T'es désolée? Je suis désolée. C'est juste que mon bébé me manque et je suis venue me battre pour ce que mon père désirait. Tu dois te foutre de ma gueule! Est-ce que ton cœur disait, t'as un cœur, toi? Est-ce que tu as un cœur? Je te le demande parce que si tu l'avais, tu aurais eu un bon sens. Tu peux pas venir dans mon lieu de service pour te comporter comme ça. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu essayes ça, la prochaine fois que tu feras ça, je vais te donner une leçon. Et quand j'en aurai terminé, t'auras rien pour attirer les hommes. Oh, t'es choqué? Oh oui, c'est comme ça que j'ai été traité aujourd'hui. À cause de ta foutue bêtise. Je suis désolée, sincèrement. Ne me touche pas. Je suis vraiment désolée. Est-ce que tu peux arrêter tout ça et me prendre dans tes bras, s'il te plaît? Vraiment? C'est tellement ridicule. À croire que le dimanche, tu te pointes en ayant l'air de sainte et tout ça. Une patouche, tu prends le micro et tu chantes des louanges comme si tu es l'ange Michael. Hein, regarde-toi. Pourquoi est-ce que tu soulèves ça? Bien sûr que je vais le soulever parce que t'es une hypocrite, c'est pour ça. De toutes les façons, il faut blâmer la chair. La chair est faible. La chair. La chair. La chair, hein. Eh bien, le rhum m'en paraît, ma chair est faible. Je peux pas t'aider, ma chair. D'accord? Sors de chez moi et ne reviens plus. Tu m'as entendu? Ne viens plus ici. Derrick. Quoi? Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Oh. Oh. Ton cas est irréparable. Irréparable. Derrick. Je monte à l'étage. S'il te plaît. Je m'en vais dans ma chambre. Et si je te vois là-bas, juste je te brise. Une fois seulement, sors d'ici, ne reviens plus. Derrick. Derrick, s'il te plaît, Derrick. Pourquoi est-ce que tu me traites de la sorte? Juste une dernière fois, une dernière chance. Regarde comment tu me fais parler maintenant, comme ça. Derrick, s'il te plaît, Derrick. Je vais te suivre. Derrick, je vais te suivre aujourd'hui. Madame, que vous est-il arrivé? Revenez, madame! Qui a osé vous faire pleurer? Madame, venez, je pourrais aller battre la personne! Madame, pourquoi vous pleurez comme ça? Qui vous a frappé? Mais dites-le-moi, je pourrais aller frapper la personne! Mais qui vous a mis dans un état pareil? Madame, allez-y! Mais qui vous a fait pleurer? Je veux mon salaire! Alors dites-moi, je pourrais aller frapper la personne! Suis-moi. Oh non, wow. Hé! Hey, vous avez dit? J'ai dit, suis-moi! Hé! Madame, vous avez dit? Madame! Suis-moi! C'est même pas drôle, je te dis.
Je te dis, c'est pas du tout drôle. N'avale pas de travers. Ok, c'est hilarant. Et presque incroyable. Ah, je t'assure. Certaines filles sont incroyables. Certaines sont vraiment incroyables. T'as même pas idée. Oh mon Dieu. Tu aurais dû lui donner ce qu'elle voulait. Elle est folle. Ok. Et si je t'amenais quelque part? Un endroit que tu vas aimer. Oh. Ça t'aidera à te détendre et te relaxer, t'éclairer les idées. Tu sais, tu as dit que tu avais un contrat important au bureau, n'est-ce pas? Tu viens d'arriver en ville, comment tu sais ça? Monsieur Derek, si je te dis que je connais, alors je connais. Fais-moi confiance. Oh, wow. Tu connais? Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Tout d'abord, je vais régler ces gens. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Ok, alors. Hé, hey, c'est quoi ça? Derek, c'est quoi ça? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Je suis en train de te parler à toi. Que crois-tu être en train de faire? Réveille-toi! Allez! Réveille-toi! Réveille-toi, allez! Tu n'es pas un gars qui peut être en cage. T'es un homme. T'es une bête et un lion. C'est toi qui gères. Allez. 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 On ne peut pas te mettre en cage. Tu sais qu'on ne peut pas te mettre en cage. On ne peut pas te mettre. Tu sais, tu n'es pas comme ces jouets appelés grecs. Déjà mis en cage. Sur le point de se marier. Regarde ça. Jette un coup d'œil là-bas. N'importe quoi. Mais toi, toi, tu es l'énigme. Celui que les filles n'ont pas encore saisi. Réveille-toi! Prends charge! Sors! Sors de là, ne succombe pas à ça. Ne succombe pas. Derek, réveille-toi. Ne me laisse pas me réveiller et te voir amoureux. Derek. La mort, c'est pour les faibles. Mais les jeux, pour l'homme. Tu es Derek. Et pas un jouet. Oui. Ah, oui, c'est ça, je me sens mieux, c'est ça. Ego, Ego, mais où es-tu? Est-ce que c'est Tommy? Bébé, mais où es-tu? Mais pourquoi est-ce qu'il frappe la porte comme ça? Bébé! Arrête de frapper la porte comme ça, espèce d'idiot! Lève-toi et viens m'ouvrir cette porte! Elle ne veut pas te voir, arrête, arrête de frapper la porte comme ça! Je suis ici parce que je veux voir de ma copine! De quelle copine est-ce que tu parles? Hein? Celle que tu vois en cachette ou bien celle avec qui tu es? Ferme-la, tu veux? Tommy, arrête de me dire de la fermer dans ma maison! Mon bébé! Bébé, hey, je... Tommy! Stop! Tommy, qu'est-ce que tout ça veut dire? Bébé, écoute-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai pourtant appelé. Hein, bébé? Chut! Tommy, est-ce qu'on t'a dit que on tombe encore amoureux? Ah. Je veux dire, est-ce qu'on t'a dit que les filles comme nous tombent encore amoureuses pour perdre leur temps? Non, bébé, ne te mets pas en colère comme ça. Pourquoi viens-tu ici causer tout ce trouble? Ah! Bébé, mais je t'ai appelé plusieurs fois. Si Derek commet un crime, est-ce que je dois aussi payer pour ça? Allez, je suis Tommy et pas Derek. Si à cause de ce que les gars comme toi font aux filles comme nous, que des cœurs sont brisés, même des gars innocents, je veux dire des gars bien, souffrent à cause de vos péchés. Bébé, de quoi est-ce que Tommy. Tu parles? Bébé, non, écoute. Tommy, tu sais quoi? Bébé,
Bébé. J'en ai terminé. Non. Tommy, nous en avons terminé. Non. Maintenant, non, bébé, je t'en supplie. Bébé, ce qui s'est passé avec Sonia était juste une erreur. Tu dois me croire. J'essayais juste de savoir si elle n'a pas de mauvaises intentions. Et je voulais voir si elle est vraiment une bonne personne pour savoir si elle est digne d'être ton amie. Je l'ai testée pour savoir si elle est une bonne personne, bébé. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tu entends ce qui sort de ta bouche? Ne nous fais pas, s'il te plaît. Ne nous fais pas ça, bébé, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Maintenant. Je t'aime, bébé. Maintenant, fous le camp. Non, bébé, s'il te plaît. Laisse-moi te toucher. Ok. Non. Bébé. Est-ce que tu bébé. Peux me déshabiller? Non, bébé. Tu peux enlever mes vêtements? Ne dis pas ça, bébé. Ne dis pas ça. Arrête, bébé. Ne dis pas ça. Allez, calme-toi, bébé. Écoute-moi. Enlevez-moi ce cochon d'ici. C'est imbécile. Oh, bébé. Arrête, bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, bébé. Je te demande pardon, bébé. Non. S'il te plaît. Bébé. Allez. Bébé. Dégage de chez moi. S'il te plaît. Je t'aime, bébé. Tu sais que je t'aime. Bébé. Salut, beau gosse. Où es-tu? Je suis chez moi, à la maison. Oh, super. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien de bon. Mon ami Greg va arriver. On va jouer à quelques jeux et boire et nous détendre. Ok, ça a l'air vraiment incroyable. Quoi? Et si on faisait plutôt comme ça? Vire l'ennui, Greg. Et je viendrai te rejoindre et te montrer comment on le fait. Le jeu, je veux dire. Ennuyeux, Greg. Oh mon Dieu. D'accord. Ouais. Alors, je vois que tu me mets au défi. Je te mets au défi. Je te mets au défi au carré et même au triplé. Alors, s'il te plaît, viens ouvrir ton portail, je suis dehors. Quoi? T'es ici? Oui, je suis dehors. Où exactement as-tu appris à jouer à ce jeu? Ah, tu ne veux pas le savoir. Je veux vraiment savoir. Franchement, je veux dire, c'est la troisième fois que tu me bats à ce jeu. Et je ne peux même pas dire ça à Greg, il va se moquer de moi carrément. Quand je grandissais, on avait à peine la lumière ou l'électricité où j'ai grandi. Alors, on a dû être créative, apporter de nouvelles idées pour nos amuser. Je vois. Alors, on joue au mot caché, au ludo, à la corde. Monsieur, je suis la lionne alias Amazon. Alors? Oh... Crois-moi, tu ne vas pas gagner. Oh, on peut le voir, je veux dire, c'est la quatrième fois que tu me bats, ça se voit. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. Désolé, sois fort. Non, c'est officiel. C'est officiel. Encore? Mes ancêtres sont déçus de moi. Alors, si j'abandonne à ce point, est-ce que ça ferait de moi un lâche? Bien sûr, ça ferait de toi un poule mouillée. Voyons voir. Souris à un moment quand même. Oh, perle la magie que je vois. Ah, est-ce que j'ai l'air... Tu vois, tu es censé ramasser de ce côté. Attends. Voici mon côté, voilà ton côté. laisse-moi te montrer comment on fait. Laisse-moi te montrer. Merci, madame. Merci beaucoup. Regarde-toi, quelqu'un entre tes dés, tu ne peux même pas le faire toi-même. Dis-moi, Derek, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Je ne m'amuse pas vraiment. J'aime bien rester chez moi à la maison. Je reste plus chez moi. Je travaille beaucoup, je travaille dur. Je crois que c'est ça qui prend la plupart de mon temps. Et quand j'ai un peu de temps, je me détends à la maison. Et parfois, mon ami Greg arrive à la maison, on passe du temps, on cause, on joue, on boit. Ok. Penses-tu qu'un jour tu vas te marier? Peu importe, ta vie est si ennuyeuse. Ouais, je sais. J'ai ma vie ennuyante. Fais-moi confiance. Désolé, mon téléphone sonne. C'est Greg. Allô? Quoi de neuf, mec? Mais où est-ce que tu te trouves? Je suis comme ça devant chez toi. Je suis sorti avec une amie. Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'es pas à la maison? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, ce gars? Ne t'ai-je pas dit que je venais chez toi?
Tu es chez moi? Non mais t'es sérieux là? Pourquoi tu ne m'as pas informé avant de venir? Mais je t'ai informé. Espèce idiot. Attends, j'arrive, je serai là dans un instant. D'accord. Va le retrouver, Komere, sûrement, parce que je sais que c'est ce que vous allez faire. Vraiment? Oui, tu peux également lui dire que je mange beaucoup. Non, 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 c'est pas ça. Je vais juste lui dire que j'ai trouvé quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'apprécie. Voilà ce que je vais lui dire. Je ne vais pas Komere sur toi. Tout au contraire, je vais t'apprécier. Voilà ce que je vais faire. Va t'amuser avec ton ennuyeux copain. D'accord. Et j'irai faire d'autres trucs, d'accord? Merci pour ça. Pas de quoi. En fait, rien ne s'est vraiment passé. Elle est juste venue, elle a pris un verre, on a joué et on a causé. On a passé du bon temps. Mec, ça a tout l'air d'un nipa. Tu veux dire que vous avez joué aux jeux dans ta chambre? Dans ta chambre à coucher? Vous avez partagé des verres? Greg, j'ai pas dit qu'on a eu un débat dans ma chambre. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on a... J'ai pas dit qu'on avait un débat. Regarde, maintenant tu me fais bégayer. J'ai dit qu'on a joué au jeu. Oui, c'est ça, dans cet ordre, ouais. Waouh, mauvaise conscience. Je vais juste rester tranquille. Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Je vais la fermer. En passant demain, c'est le jour de la présentation. Et je... J'espère que ça sera en notre faveur. Ça, c'est un contrat que j'aimerais qu'on décroche. On a bossé pour ça. Est-ce que tu crois vraiment que M. Chola va nous virer si on ne décroche pas ce contrat? Non, je ne pense pas. Cette compagnie a besoin d'augmenter sa productivité. Il s'avère qu'on soit parmi les meilleurs employés. Tout ira bien pour nous, mais je veux qu'on gagne. Vraiment. Mec, tu ne sais pas comment. Cette chose que tu viens de dire me fait vraiment plaisir. Vraiment? Alors, on joue? Absolument. Et ensuite, tu me raconteras tout sur Sharon. Mais pourquoi est-ce que celle-ci te prend autant de temps? Ou alors tu n'es plus Derrick? Oh, pourquoi ça a l'air d'être un défi? Est-ce que tu veux que je mange cette fille de façon prématurée? Ensuite, je t'envoie la vidéo. Ne me teste pas, okay, attends, mec. Attends. Bien. Ne dis pas que je suis en train d'encourager le flirt. Non? T'as juste souri parce que tu me pousses. Maintenant, tu dis que celui-ci prend beaucoup de temps, mais tu sais que ma réputation... Peu importe ce que c'est, fais juste attention. Maintenant, tu veux que je fasse attention. Monsieur, nous avons perdu le contrat. Je viens de recevoir l'email de l'entreprise à cet effet. Je peux déjà vous dire que je ne suis pas du tout content. Je suis vraiment dévasté à ce point. Sachez que si vous avez été longtemps comme moi dans ce business, vous saurez que les choses comme ça arrivent. Et je sais très bien que tous les deux, vous avez donné de votre mieux. Je suis content de ce que vous avez fait. Eh bien, je vais vous donner à tous les deux 2 jours avant que vous ne commenciez le travail. Y a-t-il un problème? Oh oui, il y en a. Il a peur de sa femme. Il ne peut pas s'imaginer 2 jours dans cette maison avec sa femme. Hey, mec. Il va mourir. Peux-tu être sérieux? Alors, je t'ai entendu dire, prenez les 2 jours. Prenez le temps de recharger vos batteries et revenez au bureau parce que nous avons encore beaucoup à faire. Il y aura encore beaucoup d'occasions et... Le futur, c'est maintenant. Ok? Monsieur, juste comme ça? En fait, je ne veux pas vous offenser. Je croyais que vous alliez être en colère ou autre chose. Eh bien, si tu avais été dans cette affaire plus longtemps que moi, tu comprendrais que parfois on gagne et parfois on perd. Ok? Merci beaucoup, monsieur. Vous avez montré un grand sens de compréhension. Merci beaucoup, monsieur. Je vais... Utilisez ces 2 jours pour me remettre, vous savez, ensuite reprendre... Derrick. Monsieur. Je ne t'ai pas donné ces 2 jours pour fricoter avec des femmes. Non, monsieur.
Prends le temps de te reposer. Oui, monsieur. Et te recharger. Bien sûr, monsieur, je vais me recharger, vous inquiétez pas. Monsieur, avertissez-le. Vous ferez mieux de l'avertir. Non, mais regardez-le. Vous pouvez partir. Merci, maintenant. Monsieur. Tu vas voir, ta femme va te tuer. Copine. Hmm? À présent que nous avons chassé les hommes de nos vies, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux dire par « qu'est-ce qu'on va faire » De toutes les façons, tu as chassé ton homme de ta vie. Le mien m'a laissé. Il m'a laissé parce qu'il n'est pas assez bon. Il n'est même pas assez bon pour lui-même. Les hommes ont leur utilité. Nous avons besoin d'eux. Tout le monde sauf Derek. Il n'est d'aucune utilité. Tommy me manque. Il me donnait de l'argent. Allez, ma chérie. Cherche-toi un autre homme. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Il me donnait de l'argent. Ah, l'argent pour la souscription de ma télé. Pour la nourriture. Pour mon taxi. Même l'argent pour donner à ma mère. Ah! Et maintenant, tu veux que je dépense tout le petit argent qui me reste pour que moi, je puisse rester dans la pauvreté? Va et demande-lui pardon. Après tout, n'est-ce pas toi qui l'as battu et qui l'as chassé? Je ne sais pas ce qui m'était passé dans la tête. En fait, j'étais juste en colère parce qu'il t'a dragué. Et c'est avec le même homme que tu veux te remettre. Le genre d'homme avec qui tu veux être. Ah. Est-ce que Derek n'a pas essayé de te chasser également? Est-ce que tu l'as déjà oublié? Je l'ai oublié. Le ciel sait que je l'ai fait. Vraiment? Salut, Jaron. Salut, beau gosse. Comment vas-tu? Ah, pas bien. On a perdu le contrat. Ouch. C'est vraiment très triste. Je suis désolée pour ça. Et qu'est-ce que tu fais? Rien de bon, je suis juste couché en train de me reposer. Bien, au moins, tu fais quelque chose de bien de ta vie. Alors, tu veux vraiment sortir? Non, pas aujourd'hui. Peut-être demain. D'accord. Bonne nuit. Ouais. Bonne nuit. Bye-bye. Oh. Ouais, hey,
c'est moi. Ok, où aimerais-tu qu'on se retrouve? Cool. C'est pas juste que tu te moques de moi comme ça. Vraiment, c'est pas juste. C'est vraiment pas juste. Y a pas de souci. Mais quand j'ai... Je vais t'avoir. Je vais t'avoir. Y a pas de souci. Tu sais désolée, ce qu'on dit. Attends, tu ris vraiment. Tu ris, hein? Non, c'est pas juste. T'es plus mon ami. Allez, Derrick. Que se passe-t-il? Ah, non. Non, c'est pas possible que je commence à tomber. Non. Non, allez. Quoi? Non. Mais regarde-moi. Regarde-moi, assis, tout seul, en train de penser à cette... En regardant un film. Pourquoi? Oh non. Mec, réveille-toi. Allez, l'amour, c'est pour les femmes. Ah, c'est quoi ton problème? Réveille-toi, mec. Brrr. Mais qu'est-ce que tu vas bien? Mais comment sais-tu? Savoir quoi? Quand tu as des sentiments pour quelqu'un, comment le sais-tu? Mais tu ressembles à quelqu'un qui a une migraine. Tu as l'air d'un crétin en ce moment, alors qu'est-ce qui se passe? Tu peux arrêter? Je suis sérieux, mec, je suis très sérieux. Tu es sérieux là, parce que je veux dire, tu n'as jamais ressenti un truc comme ça auparavant, alors ça serait dur à dire. Ça c'est si tu ressens quelque chose au juste. Eh bien, si tu m'écoutais, tu saurais que j'ai posé une question et j'ai besoin de réponse. Comment le sais-tu? Eh bien, tu sais quoi? J'ai faim, allons manger quelque chose. Pourquoi est-ce que tu veux manger d'ailleurs? Ta femme n'a pas cuisiné? Salomé? Salomé croit que je ne suis pas romantique. Je veux dire que nous ne sommes pas un couple romantique comme d'autres couples le sont. Alors elle jacasse dans toute la maison. J'ai décidé de partir. Comme ça, elle aura un peu de paix. Vous, les gens mariés, comment vous faites ça? Qu'est-ce qu'il y a avec la tension, les querelles, les disputes fréquentes, tous ces... Comment vous faites pour vivre? Comment... Quoi? Tu sais quoi, mec? Je te verrai plus tard, ok? J'ai du boulot à terminer au bureau. Merci. Qu'est-ce que tu veux? Pendant combien de temps vas-tu me traiter de la sorte, Derrick? Ça fait plus d'un an. Qu'est-ce que tu veux? Réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? Allez, vas-y doucement avec la jeune dame. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle est juste... Entrez ici comme un fantôme, commencez à me parler. Elle va devoir me dire ce qu'elle veut. Doucement. Mais putain, mec. Je crois que je commence à avoir des sentiments pour Sharon. Sharon? J'arrive pas à croire que je viens de dire, j'ai des profonds sentiments pour cette fille.
Ça sonne bizarre, mais c'est drôle. Je comprends ta moquerie, mais c'est vrai. Est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que tu lui as parlé de ça? Je suis sérieux. Je lui ai pas encore dit parce qu'elle a de grandes barrières autour d'elle, tu sais. Tu comprends? C'est un peu difficile de me rapprocher d'elle. Oh. Eh bien, si tu demandes mon point de vue, frérot, je crois que tu devrais juste lui dire comment tu te sens. Je veux dire, le pire scénario serait qu'elle te dise non et puis tu vas de l'avant. Tu le penses? Ouais. Je devrais. Ouais. En parlant du lot, c'est elle qui est en train d'appeler en ce moment. Salut. Oui. Je vais bien, je suis juste au bureau. Non, pas grand-chose. Oh, tout de suite. D'accord, je vais te retrouver. Je te retrouve, ouais. Bye. Ah, oh, eh bien, désolé, mais je dois partir. Ok. Ok, s'il te plaît, couvre-moi. Tu es couvert par le Seigneur, mec. Je le ferai toujours. J'en dois une. J'ai quelque chose à te dire. Ok. C'est juste que je suis sans voix. Toi, un grand garçon, sans voix. Me regarde pas comme ça. J'ai des sentiments pour toi. Ouf, alors là, je suis largué, je sais plus trop quoi dire. Écoute, Sharon, Je crois que j'ai des sentiments pour toi. Et je suis très sérieux. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Quoi? Oh, Derrick! Allez, arrête ça, beau gosse. Toi et moi, on est amis. Je m'en fous, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Allô? Ouais, salut. Comment vas-tu? Ouf. Je vais bien. Je vais bien. Qu'en est-il de toi? Oh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et si tu m'envoies juste l'adresse, je serai là. Ok. Bye. Ouf.
Quelle surprise. Je t'en prie, assieds-toi, assieds-toi. Et Paul, tu vas bien? Je suis choqué de te voir à cette heure. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien? T'en es sûr? Embrasse-moi. Quoi? Sharon. Sharon. Embrasse-moi. Ok. C'était spécial. C'était spécial. C'est pour ça que t'es venu. Ne me mens pas, tu peux me dire. Oui. C'était bien. Oui. Encore. T'es folle. Sharon, ça veut dire quoi tout ça? Tu étais censée faire que ce gars tombe amoureux de toi. Puis tu brises son cœur et tu le largues. Pourquoi veux-tu en faire une histoire de romance? Tu le mets même déjà sur tes statuts WhatsApp. Et ça, ce n'est pas notre marché. Ce n'est pas pour ça que je te paye. Meuf, tu vas devoir te calmer. D'accord? Tu dois te calmer. Comment est-ce que je peux enfoncer le clou assez profond si je ne lui donne pas l'impression que nous sommes dans une relation et que je l'aime et qu'il m'aime? Si je ne fais pas ça, elle ne pourra pas le croire. Alors, détends-toi. Tu t'entends parler? Relation amoureuse. Eh bien, une fausse relation. Écoute-moi, Sharon. Écoute-moi. Tu es une pauvre fille sans emploi du port à quoi. Je t'ai payé avec mon argent durement gagné. Pour que tu séduises ce gars, l'amène à tomber amoureux de toi, brise son cœur et tu le largues. Maintenant, tu es ici. À profiter de la chose, à te sentir comme ça. Arrête-moi ça. Sonia. Arrête ça. Je ne veux Sonia. Plus que tu continues. Je ne veux plus. Tu me rends jalouse et je n'aime pas avoir l'air d'une folle. Là, tu me donnes l'air Sonia, d'une folle. Je ne veux pas avoir l'air d'une folle. C'est juste ton job. Salut. Que se passe-t-il? Ça, c'est super. Vraiment super. Qu'est-ce que tu fais ici? Sonia. Bébé,
Qu'est-ce qu'elle fait ici? Oh! Ton bébé a avalé sa langue. Bébé, qu'est-ce qu'elle fait ici? De toute façon, laisse-moi aller droit au but. Viens, viens t'asseoir. Allez, assieds-toi. Ton bébé s'y présente, je l'ai payé. Pour qu'elle te séduise. Pour qu'elle te fasse tomber amoureux d'elle. Non. Puis qu'elle brise ton cœur. Non. Tu dis non. Pourquoi tu dis non? Et enfin, pour qu'elle te largue. Exactement comme tu l'as fait avec moi. Et avec ce que je vois, je crois que ça a marché. Sonia, tu n'as jamais cessé de me surprendre. Tu sais quoi, Sonia, t'en as dit assez, c'est bon. Tu peux partir maintenant. Vas-y, s'il te plaît. C'est toi qui dois partir. Que je parte avec tout. Ça, c'est ma maison, celle que je paye. Que je parte. Tu n'étais pas au courant, c'est ça? Bébé, dis-lui, non? Bébé a avalé sa langue. Je l'ai payé pour ça. Vaudrait mieux que tu le saches. Je veux que tu me dises la vérité. Je veux que tu me dises que cette femme rancunière qui est juste là est en train de mentir. Et comme d'habitude, c'est moi qui suis rancunière. Dis-moi qu'elle est en train de mentir. Elle m'a dit que tu étais le diable à personne et je les ai cru. Mais c'est le diable. Je l'ai fait par solidarité pour mon genre, pas seulement pour de l'argent. Je te le promets. La pauvre Sharon dit que ce n'était pas pour de l'argent. Tu n'es pas le diable. Le Derrick que je connais est doux, tendre, gentil et drôle et non. Le diable, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Pourquoi est-on traité de la sorte? Lâche-moi. Non, attends. Derrick, je Attends. La première fois que... Ok. Écoute-moi. Okay. La première fois que je t'ai vu, tu es venu dans le bureau du pasteur Joshua avec un paquet à délivrer. Alors quel est le lien avec tout ceci? Comment ça a un sens? Tout ça faisait partie du plan. Elle devait trouver une manière de t'aborder pour que tu y crois. Non. S'il te plaît. Non. Est-ce que c'est vrai? C'est... Sonia, tais-toi. Sharon. Tais-toi de dire toutes ces choses. Sharon. Bébé, écoute, je peux mieux t'expliquer. Ok. Regarde-moi, crois-moi. Tu m'as dit de rester tranquille. Tu te souviens de ton contrat? Tu te souviens de la personne avec laquelle tu en as longuement discuté en détail? Tes concurrents étaient prêts à mettre le paquet. Et moi, j'ai pris le pognon. Grâce à l'information qu'elle m'a donnée. Non. Où sort de là? Bye. Bébé, écoute. Mais c'est la loi. Écoute, regarde. Je suis désolée, s'il te plaît, viens. Non. Derrick, s'il te plaît, ne t'en vas pas. Je suis désolée, tu ne comprends pas. J'ai toutes les réponses, je vais tout te dire. Mais tu dois m'en faire confiance, tu dois me croire. S'il te plaît, je suis désolée. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement, s'il te plaît, fais-moi confiance, crois-moi tout d'abord. C'est un jeu, c'est vrai, c'est un contrat. Mais je suis tombée amoureuse de toi, s'il te plaît, crois-moi, je t'en prie. Ne t'en va pas, s'il te plaît, ne me laisse pas. S'il te plaît, ne t'en va pas, Derrick. Derrick, s'il te plaît, ne t'en va pas. Derrick, s'il te plaît, je suis désolée, reviens. Qu'est-ce qui se passe, frérot? C'est quoi le problème? Une grosse erreur, mec. Une grosse, grosse erreur. De quelle erreur parles-tu? Cette fille s'est jouée de moi. Cette fille s'est vraiment jouée de moi. Regarde-moi, regarde. J'arrive pas à croire que je vais dire ça, mais mec, je suis brisé. Brisé? J'ai le cœur brisé, mec. Elle m'a eu sur ce coup. Elle m'a eu. De quoi est-ce que tu parles juste? T'assois pas là et faire comme si je ne suis pas en train de parler de Sharon. Elle s'est jouée de moi, mec.
Elle s'est vraiment jouée de moi. Elle m'a eu. Écoute, je sais pas comment c'est arrivé. C'était censé être la norme, tu sais. Et puis j'étais piégé par elle sans le savoir. Et regarde-moi. J'ai le cœur brisé, mec. Tu dois aller doucement, ok? Allez, ne te comporte pas comme ça. Derek, c'est toujours toi, voyons. Moi? Es-tu sûr que c'est toujours moi? Un joueur a été joué, frérot. Un voleur a été volé. Arrête de te comporter comme ça, frérot, voyons. Allez, c'est juste un tout petit souci. Je vais t'en remettre. Je déteste le fait qu'elle me manque. Elle me manque vraiment. De quoi est-ce que tu parles, bon sang? Comment est-ce que tu peux même dire ça? Regarde-toi. Tu sais quoi, je vais t'aider. Allez, viens. Non, je vais bien, je vais bien. Tu es ouais, sûr? Je vais bien, je t'ai dit. Derek. Je vais bien, mec. Parce que je n'aime pas te voir comme ça. Bienvenue, monsieur. Tu as finalement décidé de rentrer à la maison, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. J'ai perdu la notion du temps. Derek avait de sérieux ennuis, je devais rester avec lui. Il ne va pas bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu ne vas pas le croire. Une dame l'a largué. Redis-le encore. Tu m'as entendu? Redis-le, je ne t'ai pas bien entendu. Redis-le-moi. Derek a été largué. Hey! Ce Dieu est très bon. Hey! Hey, mon mari. Tu vois, c'est une très bonne chose. Hein? Qu'est-ce que tu veux manger que je cuisine pour toi? Dis-moi, non? Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? Tu veux du plantain bouilli? Je vais aller le faire. Hey, Seigneur! Tu es très grand, mon merveilleux mari. Le Seigneur est bon. Hey! Bonjour, Monsieur Gray. Bonjour. Je suis désolée de vous déranger, monsieur, mais ça fait 2 jours qu'on n'a pas vu Monsieur Derek depuis la dernière fois au bureau. J'espère qu'il va bien. Il se sent un peu mal, mais rien de sérieux. Ok, j'espère qu'il va se rétablir parce qu'il nous manque beaucoup ici. Ouais, Alice. Oui, monsieur. En fait, mon ami Derek a tourné la page avec toi. Je suis désolé qu'il t'ait largué, t'ait maltraité, mais tu dois te faire à l'idée que c'est fini entre vous. Venir à lui à chaque fois et paraître facile et jouer tous ses tours n'augmente pas la valeur de ta confiance en soi. C'est simplement la nature humaine. Monsieur Derek ne m'a pas largué. Oui, il était tellement gentil avec moi et il voulait même rencontrer mes parents. Okay. Oui, mais je l'ai trompé. Avec l'ami de mon père, son cousin. Ouais. Alors, il a arrêté de me tromper quand nous sortions ensemble. Et il a recommencé après que j'ai brisé son cœur. C'est pour ça qu'il me déteste beaucoup. Wow! Son cousin? Oui.
Bon sang. Passez-lui mes salutations, monsieur. C'est quoi ce bruit? Qui diable veut casser ce portail? Qu'est-ce que tu veux? Je veux voir Derek. Hé, arrête-toi là, tu ne peux pas le voir. J'ai besoin de le voir. Après que tu nous aies fait perdre un contrat qui vaut des milliers, des millions de naira, maintenant tu veux le voir, tu es si pour causer? Comme si tu étais désolé? Tu veux le manipuler? J'ai besoin de le voir, tu dois t'en aller maintenant, il ne veut pas te voir. J'ai besoin de voir Derek. Il faut que je voie Derek. Et je ne fais pas semblant. C'est terrible. Hey, sont les grands garçons. Mon bébé. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je sais que juste les excuses ne peuvent pas te pousser à me pardonner. Mais je suis désolée. Et je t'aime. Même jusqu'à présent, je t'aime. Je sais qu'au départ, ce n'était que je. Ça l'était. Mais après, je suis tombée amoureuse de toi. Je suis sincère. Je suis tombée amoureuse de qui tu es. Ton calme. Ta belle nature. Des histoires. Que? Des histoires, quoi? Cette fille est la reine du théâtre. Après que tu nous aies fait perdre des millions. Un contrat qui valait des désolée. Millions. S'il te plaît, crois-moi. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, tourne la page. Si tu me pardonnes, je te jure que je ne vais plus jamais te blesser. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne l'écoute pas. Ferme-la. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Je te promets, je ne vais plus jamais le refaire. Je te jure, je ne vais plus jamais le refaire. Pardonne-moi juste une fois. Une fois. Jamais. Oublie-moi. Bébé. Bébé, je suis désolée, je suis désolée. Reviens, bébé, reviens. N'importe quoi. L'argent que tu m'as payé, je ne le veux pas. Je ne veux plus rester ici. Je ne peux plus être ici. Je dois recommencer. Je dois guérir. Si je pouvais encore guérir. Sonia, pour la première fois de ma vie, je sais ce que ça fait d'être amoureuse. Ça a été de court terme. Mais ça en valait la peine. J'ai toujours eu une dent contre les hommes à cause de ce que mon père a fait à ma mère. Mais j'imagine que tous les hommes ne sont pas pareils, tout comme toutes les femmes ne le sont pas. Il y aura toujours les méchants et les gentils. Il y aura toujours cette petite poignée qui a besoin de rencontrer la bonne personne pour tourner une nouvelle page. Peut-être que pour Derek, c'était moi, mais je le regrette vraiment. Je crois qu'à ce niveau, je dois prendre tout ce qui me reste ailleurs. Et tourner la page, j'imagine.
Alors. Est-ce que tu es contente? Tu me poses sérieusement la question? Dépêche-toi et retourne à Port Harcourt, s'il te plaît. Regarde la pauvre Sharon qui dit qu'elle ne l'a pas fait pour de l'argent. Où avais-tu l'argent pour dire que tu ne l'as pas fait pour de l'argent? Eh oui, en partant, assure-toi de ne sortir avec rien dit. Ne crée pas des ennuis à l'homme de sécurité. La clé au gardien, n'importe quoi. Je sais que tu ne veux pas décrocher mes appels. Et c'est pour cela que j'ai décidé de t'envoyer un message. Apparemment, tu aimes Sharon. Elle aussi, elle t'aime beaucoup. Elle est en route pour l'aéroport. Si tu la veux encore, tu sais quoi faire. Je t'ai assez puni. Je m'en fous si actuellement tu pars en enfer ou au ciel. Je m'en fous. Au moins, si tu meurs d'un chagrin de cœur, ça ne sera pas ma faute. Espèce d'idiot. J'avais dit que la vengeance était bonne. Je pense que réussir et aller de l'avant avec ta vie est mieux. Et c'est ça que je veux faire. Sonia, tu dois aller de l'avant. Assez de cette mauvaise énergie, assez des mauvaises ondes. Tu dois aller de l'avant pour l'amour de Dieu. Et oui, je dois avancer. Mais c'est aussi bien que je lui ai donné une petite leçon. Ouais. Je suis contente pour ça. Je vais tourner la page. Je ne veux plus ces mauvaises ondes. Sharon, Sharon. Et qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour toi. Et écoute, j'ai pas les bons mots. Je sais même pas ce qui m'arrive parce que d'habitude, c'est pas moi. Mais mon Dieu, je veux pas rester sans toi. Je viens de te dire que je veux être avec toi. Je viens de te dire que si tu nous donnes une chance, on pourra être bien parfait ensemble. Parce que je suis content quand je suis avec toi. Je suis moi-même quand je suis avec toi. Je veux être avec toi. Écoute, tout le monde est fâché, les gens sont fâchés que Drake est en colère parce qu'on a perdu le contrat, on a perdu beaucoup d'argent, mais... Putain de merde, je m'en fous. Si j'étais toi, j'en ferais plus. Écoute, je sais même pas ce qui m'arrive, mais... Je sais que dans toute cette folie, j'ai fini par t'aimer. Ne pars pas.
Je t'aime, ne pars pas. Attends, tu es venu jusqu'ici avec un peignoir. Oui, je... J'ai reçu un message, j'ai reçu un message de Sonia, j'ai paniqué, je savais pas quoi faire. Mais te rattraper était le plus important. Alors tu m'aimes vraiment? Je t'aime à la folie. Tu m'aimes à la folie? Je t'aime beaucoup, Sharon. Je t'aime aussi. Viens. Oui! Ah, désolé, vous avez oublié votre valise. Je vais vous aider avec ça. Ok. J'imagine qu'à ce point, ça n'a plus d'importance si je l'oublie. Oh. Elle est lourde, hein? Quoi? Tu voyages hors du monde? Bien sûr. Wow. Aïe. Merci. Mon grand homme. Oh. Ouais, pour me rassurer, hein. Vas-y, je vais te rejoindre par là. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.